Suivez l'escalade avec Au Vieux Campeur. Le championnat de France d'escalade de difficulté vous est présenté par Climb'Up. Et bonjour mesdames et messieurs, ou bonjour à nouveau si vous êtes de retour avec nous sur ce live. Nous sommes sur MB Live TV également, bienvenue à vous tous. Nous sommes en direct de Lopouzin en Ardèche pour ce championnat de France de difficulté senior 2019. De belles disputes déjà, belles disputes sportives ce matin lors des phases de demi-finale. Une salle qui s'est remplie au fur et à mesure. Et une finale dames à 9 places, alors que 8 étaient ouvertes, mais il y a eu des ex-échos. On va vous présenter un petit peu, regardez directement celle qui est venue, entre guillemets, s'incruster dans cette finale dames. Et alors, le petit détail, c'est qu'elle est italienne. Ilaria Scolaris, qui court à l'escalade voiron alpinisme, donc en Isère, mais qui est de Turin, et qui vient tout simplement jouer sa carte ici. Et avec la suivante, Marine Girardet, 25 ans, la Lyonnaise qui court sous les couleurs de Massy. Eh bien, elles sont ex-aequo, ce qui a ouvert une place supplémentaire en finale. Et elles vont être rejointes par celle qui a également le même nombre de points en conclusion de cette demi-finale. Il s'agit de la toute jeune Nina Artaud, mesdames et messieurs, vice-championne de France junior il y a quelques jours en arrière à Marseille. Et puis également titrée sur le podium en junior en 2018, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial. 20 ans également, la relève ici, avec celle qui a également signé de magnifiques podiums, que ce soit au niveau européen, que ce soit en 2019 ou en 2018. Elle était deuxième du général de du championnat d'Europe. Léna Gros-Piron pour Tournefeuille Altitude. 20 ans également pour la Nantaise qui va rejoindre, regardez, tout sourire, ses amis. Elle termine dans le top 5 après les demi-finales. Brian Robert, mesdames et messieurs. Sous les applaudissements de Pierre Youx. Et je vais en profiter pour présenter une autre dame, mais que vous n'allez pas voir à l'écran, qui est à côté de moi. C'est Cécile Amezou, que vous connaissez désormais bien. Merci Cécile d'être avec moi. On va regarder cette finale dame ensemble. Et la plus jeune, alors voilà, elle fait irruption cette année. Regarde ce sourire, Camille Pouget, 16 ans, Tournefeuille Altitude également. Et elle est acclamée. Hein. Et là, on a un ex-aequo de 4 dames, dont Camille Pouget, avec la suivante que vous allez voir dans l'encart. Elle est là, la Marseillaise, solide comme un roc des Calanques, Kenza Slamty. Elle a fait le run le plus solide avant qu'on vienne la chatouiller dans ses résultats. Mais elle a fait une excellente demi-finale, Kenza. Et on peut compter sur ce visage que vous connaissez bien. Comment on dit ? Main de fer dans gants de velours. Hein, parce que Nolwenn Arc, c'est beaucoup de douceur, mais beaucoup de pugnacité. La Scholtaise. Et championne d'Europe junior 2018, championne de France 2019, junior également, 19 ans, Nolwenn Arc, championne de France senior 2017. Attention, et puis celle qui fait figure d'ultra favorite, qui a été ultra solide, c'est l'aînée, elle est également ouvreuse, c'est-à-dire, on en reparlera à Cécile, elle est également responsable de l'installation des voies en compétition. On reparlera du métier d'ouverture. Hélène Janicot, et on salue
tout Rion. Et puis évidemment, elle court sous les couleurs de Escalade Voiron Alpinisme. Et donc, l'Isère doit être derrière son écran également. Voilà, Cécile, 9 magnifiques finalistes qui vont nous offrir un grand, grand spectacle. Il y a eu beaucoup de bagarres pour en arriver là. Elles étaient quasiment une centaine hier, avant les qualifications. 26 places en demi-finale et puis 8 places en finale qui sont finalement révélées être 9 places du fait de ces ex-échos. Et nous allons découvrir ces voix ensemble. Alors, je pense que la réalisation va nous proposer quelques images de ce qu'on appelle les... l'observation, et ça c'est fondamental, c'est-à-dire que justement les voies ont été installées, voilà, on les a à l'image, les voies ont été installées par des ouvreurs, et il y a une demi-heure, ce que vous voyez à l'image, eh bien, c'est tout simplement le moment qu'ont passé les athlètes à regarder, à découvrir ces voies visuellement. Et oui, cette période d'observation est déterminante pour les grimpeurs. Ils ont 6 minutes au maximum pour décoder au pied de la voie toutes les subtilités que les ouvreurs leur ont préparées. Et trouver le chemin, les ruses, astuces pour parvenir en haut de la voie. Ah, c'est magnifique là. Kenza et Hélène qui partagent leur analyse. L'une dit oui, l'autre dit non. Non, mais regarde, il y a ça. Ah non, c'est génial. C'est vrai, elle mime au pied de la voie toutes les possibilités. Elle se questionne et il y a des échanges souvent, voilà, des couples de deux grimpeurs qui lisent ensemble. Parfois, des grimpeurs lisent seuls ou ils échangent à plusieurs. Mais c'est toujours des beaux moments à regarder. C'est tout l'esprit de l'escalade, c'est-à-dire que potentiellement, en s'aidant l'une l'autre, comme ça, elle est en train de donner la clé de compréhension à sa copine et qui finalement risque de lui ravir le titre puisque elle avait compris, enfin bref, on sait jamais. Ouais, on peut réécrire. Il y a des personnes qui échangent facilement, d'autres qui préfèrent rester dans leur bulle. Et voilà, chacun fait comme il le sent. Voilà, les ouvreurs que l'on va citer et remercier, emmenés par Julien Gras avec William Cheras, Julien Sage et Corentin Le Goff, et qui ont eu donc à inventer et à mettre en place ces voies. La hauteur du mur ici au Pouzin, elle est une quinzaine de mètres. Hein. On pense qu'on est sur des valeurs standards. Et évidemment, le jeu des ouvreurs, c'est d'aller traficoter là-dedans. Puis évidemment, vous voyez tous ces pans inclinés. Il y a très très peu de verticales. On est principalement dans de l'incliné. Donc, on lutte contre la gravité en permanence. Oui, c'est vrai que les itinéraires proposés sont au centre du mur. C'est la partie la plus déversante. Le championnat de France sera aussi une épreuve qui va permettre de sélectionner certains grimpeurs pour les Coupes du Monde. Et c'est important de mettre une composante physique assez importante pour pouvoir sélectionner les grimpeurs qui ont le plus de chances de perfer au Donc la sélection Coupe du Monde, c'est-à-dire rentrer en équipe de France sur un certain nombre de critères sur lesquels on pourra revenir peut-être au fur et à mesure. Et puis après, avoir son billet pour les étapes de Coupe du Monde à travers la planète. Exactement. Alors Ilaria, elle est italienne. Et l'année dernière, on avait sur le championnat de France de difficulté également un étranger. Il était belge en l'occurrence. Et il a terminé vainqueur. Mais du fait de sa nationalité étrangère, il n'a pas pris le titre de champion de France. C'était Stéphane Hansen. C'est donc Romain Desgranges, arrivé deuxième, à très très peu de choses derrière lui. Ça s'est joué au temps qui a récupéré le titre de champion de France en titre, on le reverra tout à l'heure, Romain. Eh bien, voilà, Ilaria pourrait nous faire une Hansen, comme on dit, c'est-à-dire éventuellement aller jouer la gagne ici, mais elle ne pourrait pas devenir championne de France. Par contre, on aurait un podium quand même, évidemment, pour la féliciter. Et puis, on ferait le podium du championnat de France par ailleurs. On peut éventuellement aussi, justement, en parlant, je viens d'évoquer le système de chronométrage, ce qui départage principalement les athlètes, eh bien c'est la hauteur qu'ils atteignent. Mais s'ils atteignent tous la même hauteur et notamment tous le sommet, c'est le chrono qui intervient. Oui, donc la règle du jeu, c'est de sortir la voie si possible et sinon aller le plus haut possible ou du moins plus haut que ses concurrents. Et ce qui est important, c'est de distinguer la prise qui est tenue de la prise qui est juste touchée, ça ne compte pas. Tenue, on compte le numéro de la prise. Donc, les prises sont numérotées de 1 à, ça dépend du nombre de la longueur de la voie, ça peut aller jusqu'à 50. Là, tout à l'heure, en demi-finale, ça allait jusqu'à 50. Donc, le score, c'est le numéro de la prise. Et en plus, on peut valoriser cette prise
en entamant le mouvement suivant. Donc s'il y a un numéro, par exemple 40, et qu'une autre concurrente a fait 40 plus, ça veut dire que celle qui a fait 40 plus a engagé le mouvement d'après, mais n'a pas tenu la prise. Donc plus le numéro est haut, plus le grimpeur est allé haut. Donc, c'est ça le but du jeu, et ça, il faut aller le plus haut dans les 6 minutes maximum. Voilà, et donc cette épée de Damoclès du chrono que vous voyez à votre écran, et nous sommes à moins de 4 minutes maintenant. Et pour Ilaria qui nous fait découvrir, puisque nous sommes comme les grimpeurs, nous avons été tenus à l'écart de, eh bien de cette potion magique des ouvreurs qui doit sélectionner les meilleurs du jour. Oui, donc c'est très complexe le métier d'ouvreur. Il faut positionner les prises dans l'orientation la plus pertinente possible pour départager les grimpeurs. Il faut leur proposer des itinéraires qui leur posent des problèmes, en fait. Et certains grimpeurs vont trouver les solutions gestuelles pour passer les mouvements délicats, et d'autres vont tomber. En escalade de difficulté, le grimpeur n'a le droit qu'à un essai. À partir du moment où il lâche, il se retrouve suspendu à la corde, son essai est terminé, et on comptabilise son score qu'on a expliqué tout à l'heure, qui représente le numéro de la prise maximale atteinte. Suspendu à la corde avec un assureur en pied de voie que l'on remercie. Il s'agit des bénévoles ici de l'organisation, organisation du club des Lézards Vagabonds à Le Pouzin, emmené par Claire Evrard, leur présidente, qui est également présidente du comité départemental. Et on fait un clin d'œil également aux salariés de ce comité, Damien Leturdu et Jessica Faure. Et on rentre un petit peu dans le plafond, là, avec Ilaria. Mais avant cette partie de plafond, donc, qui est un petit peu plus physique, Ilaria était dans une position assez confortable. Et parfois, c'est difficile. Quand la position est très confortable, c'est difficile d'engager un mouvement à prise de risque juste après. Et là, voilà, il en manquait un petit peu pour tenir. Elle s'est redressée sur les jambes. Il fallait aller un petit peu plus fort, un petit peu plus loin pour attraper la petite prise main gauche. Ilaria, elle est en progression constante hein, ces derniers mois, ces dernières années. Donc, on n'a pas fini de la voir sur les grands rendez-vous nationaux, voire continentaux. Et ben ça nous fait plaisir, bravo. Alors on a le leader corner, vous la voyez, anglicisme pour dire donc le coin du leader, du meneur de la compétition. Et le but, évidemment, vous l'aurez compris, c'est d'aller pour les copines, hein, c'est d'aller pour les concurrentes, c'est d'aller la déloger. Alors les concurrentes ne voient pas les prestations des autres. Donc tous les grimpeurs sont enfermés dans une salle d'isolement. Ils ne sortent de cette salle d'isolement que pour avoir leurs 6 minutes d'observation collective. Et ensuite, ils retournent tous en salle d'isolement. Dans l'isolement, ils ont le droit d'échanger entre eux. Les coachs n'ont pas eu le droit d'aller voir la voie. Donc ils restent en isolement. Et voilà. Donc en isolement, tous les échanges sont possibles. Mais on ne voit rien du tout sur les prestations des autres. Et éventuellement, lorsque la clameur est forte, on peut entendre la salle. Alors ça dépend des configurations. On sait que parfois on a même des salles avec un bâtiment annexe dans lequel ils sont vraiment isolés, même en termes de son. Et là, en l'occurrence, il y a peut-être un petit peu d'échange. Donc je pense que quand ça va s'enflammer... Le grimpeur entend derrière. Et il a une notion du temps qui passe aussi. Quand c'est rapidement au grimpeur suivant, Ah, là, il y a un petit souci. Le juge avait peut-être pas... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce qu'on relance la voix? Le juge... Alors, eh bien, justement, vous venez de le voir à l'écran, Sébastien Jourdan. Qu'est-ce qui s'est passé? Il doit y avoir un problème de dégaine dans la voix. Donc, grimpeuse ne pouvait pas effectuer sa prestation correctement à cause de la dégaine, ouais, qui est sur un volume. Voilà, on nous le confirme. Donc Sébastien Jourdan, chef arbitre, vient de demander à ce que les ouvreurs justement aillent remettre correctement cette dégaine. Donc on la voit là sur le volume, le deuxième volume noir, il y a la dégaine qui est posée sur le volume et qui n'est pas en suspension. Donc ça peut gêner la grimpeuse. Voilà, ouais, merci la réalisation. Et du coup, elle pourra moins facilement passer la corde dans la dégaine.
Donc c'est vrai que bah, du coup on en profite pour continuer préciser les règles. Exact. Les règles du jeu, c'est d'aller de le score, c'est la hauteur de prise atteinte, mais pour atteindre cette prise, le grimpeur doit passer sa corde dans tous les mousquetons des dégaines pour assurer sa sécurité. Donc il va s'assurer au fur et à mesure de sa montée. Et il faut effectivement qu'il soit à égalité face à ce geste à réaliser. Donc on a vu le juge en gros plan, c'est lui qui a vu ce petit problème de dégaine et qui a demandé à la grimpeuse de retourner en isolement le temps que les ouvreurs, donc Julien Gras, le chef ouvreur, celui qui a organisé, orchestré tout ce travail d'ouvreur pour proposer des itinéraires que nous voyons aujourd'hui. Alors lui, il se fie pas aux règles de compétition. C'est pas du tout orthodoxe la façon dont il grimpe. Par contre, c'est très efficace. Oui, alors voilà, les grimpeurs n'ont pas le droit de tirer sur les dégaines. Voilà. Mais lui, il est allé rapidement remettre la dégaine en place. Voilà, pour que la compétition puisse avancer. Et il est richement applaudi par la salle, évidemment. Ils ont beaucoup de mérite. Hein. Les ouvreurs. Ah, les ouvreurs les chefs d'orchestre de l'ombre. Ils nous ont proposé de super itinéraires en qualification, en demi-finale. Et ben voilà, on a commencé à voir la première partie de La Voix Femme. Et ça nous promet du spectacle. Allez, on cite également dans le jury Marc Espinoza, Philippe Réa, Bénédicte Casado, Dominique Grazuel, Sophie Jourdan et Christine Slamty, qui sont donc des juges formés par les fédérations. N'est pas juge qui veut. Allez, Marine Gérardet, tu penses que ça a une incidence là mentalement? Des fois ça rebooste. Sort un petit peu de la concentration, ou des fois ben, ça permet de souffler et de repartir plus sereinement. Ça dépend des athlètes et des moments. Donc là, elle a l'air d'être bien concentrée. Donc on voit la première partie de voix avec ses gros volumes bleus. Donc les prises sont grosses, mais les préhensions ne sont pas toujours très bonnes. On voit des arrondis. Le grimpeur pose ses mains à plat et met un maximum de surface d'adhérence de contact sur le volume pour mieux tenir. Et là, on mesure l'importance de la magnésie. Évidemment, si on a les mains moites, c'est bien sûr bien plus compliqué. Là, on est sur des toutes petites prises. Donc après la séquence, voilà, gros volume, les petites prises. Donc tout en force doigt. Tenue de prise doigt, on voit que la main du grimpeur ne se positionne pas de la même façon suivant le type de préhension, et gros plan sur les pieds aussi, les petites prises de pied. Le grimpeur doit poser précisément son pied sur la partie de la prise qui lui permettra d'arrêter le pied. Donc on voit les doigts qui se retournent sur certaines prises. Quand les doigts sont retournés, c'est une position arquée. Voilà, on voit là, ses doigts étaient en semi-arqué, pas complètement retourné. Le petit jeté qu'elle engage sereinement et rapidement. Et nous voici donc à cette fameuse dégaine. Qui avait été dégagée. Donc, passage, moment de petite décontraction. Rétablissement sur ce gros volume noir. Donc c'est confortable parce que le volume est très très large, ça fait comme une plateforme. Donc le grimpeur peut mettre tout son corps dessus et se plaquer. Là on voit que Marine plaque son visage sur la paroi et son pied est un petit peu en retrait par rapport à la surface blanche du mur. Elle va se redresser sur sa jambe. Voilà, tel un bouquetin sur une vire. Voilà, avec les appuis de main, la force des cuisses. La dégaine, ah non. Donc là, les dégaines sont longues. Pour les passer plus facilement, les grimpeurs les font balancer avant. C'est vrai que là, comme c'était en arrière, c'est difficile d'aller chercher la dégaine quand c'est derrière soi, qu'on est plaqué au mur. Donc Marine avait pris l'option de faire balancer la dégaine pour la rapprocher un petit peu d'elle. Et pendant ce temps-là, le chrono tourne. Voilà, maîtriser le ballon de la dégaine et l'attraper quand elle est plus proche. Oh là. Voilà. Et en l'occurrence, elle se fatigue quand même. Elle est quand même dans l'effort. Mais cela dit, comme elle a les mains à plat, elle est plus debout. Elle pourrait pratiquement lâcher les mains et tenir. Mmh. Donc, c'est vrai que ça, c'est rare comme configuration. Mais
Ah oui, voilà. Que... ce qui est dur, c'est la transition. C'est et la salle la soutient, évidemment. Gros crochet de talon. Là, la prise qu'elle a à main droite, on voit, elle est plate. Ah, c'est magnifique ce mouvement. On va se régaler, on se régale déjà. J'espère donc que là, il y a une relance de main. Super. On la voit serrer les dents. Elle est motivée pour serrer, tenir les prises. Donc, elle remet de la magnésie, ça veut dire qu'elle tient bien la prise. Oh là là. Ah, il suffisait que tu dises ça. C'est son autre. Ah ouais. Ah, eh bien, cette ouverture annonce de très, très belles joutes. Donc, on découvre petit à petit des séquences supplémentaires de la voix. Bravo, Marine Girardet, qui va aller décaler Ilaria Scolaris d'un cran du côté du leader corner, du coin des meneurs. Donc, la performance de Marine est noté 30 plus, donc ça veut dire qu'elle a tenu la prise numérotée 30 et elle a engagé le mouvement suivant, d'où le plus. Et on parle beaucoup de cette ambiance dans la salle. Vous entendez Christopher Hardy, la voix de l'escalade depuis plusieurs décennies déjà en France, accompagné de Nicolas Januel. Allez, vice-championne de France junior depuis le début du mois. C'était à Marseille, vice-championne de France en escalade de difficulté. C'est donc sa discipline. On reviendra là-dessus, hein, sur les trois disciplines majeures, le ouais. combiné, puisque je pense que sur MB Live TV, eh bien, chers spectateurs, vous n'êtes pas tous experts, je vous rassure. Moi non plus, pour ça, on a Cécile, et qui nous amènera toutes les clés de compréhension. Donc là, oui, c'est l'épreuve d'escalade de difficulté, le championnat de France. Et pour l'épreuve de difficulté, le grimpeur a un baudrier, des chaussons, un sac à magnésie et une corde. Une corde pour assurer sa sécurité. Le but du jeu, aller tout là-haut pour valider la voie. Ah, ça peut être quasi 20 mètres sur certains murs. Oui, la moyenne, c'est 15 mètres. 15 mètres. Et à l'heure actuelle, comme le règlement donne un temps maximum d'escalade de 6 minutes, avant, c'était 8 minutes et ça a changé depuis 2 ans. Et du coup, le nombre de mouvements max, souvent, c'est vers les 45. D'accord, 45 mouvements. Et là, ça diffère nettement du bloc. Oui, le bloc, c'est 10 mouvements au maximum. Le grimpeur n'a pas de corde ni de baudrier. Il assure sa sécurité par des gros tapis au sol, donc il fait des chutes. En bloc, il a plusieurs essais pour aller en haut du bloc, du passage, tandis qu'en voie, le grimpeur n'a qu'un seul essai. Il va le plus haut. Et le bloc possible. Mesure en hauteur maximum 4,50 m. 4,50 m. Donc là, on a un mur de 15 mètres. En moyenne, 15 mètres en difficulté. Donc tout ça, ça demande... Et puis il y a la troisième discipline de l'escalade, dont une manche de Coupe de France a eu lieu dans cette même salle hier. C'est la discipline de la vitesse. Donc la vitesse, c'est d'autres règles du jeu. C'est un mur de 15 mètres également, sauf que là, la voie est tout le temps la même. C'est une voie identique, homologuée. Il y a la voie officielle de vitesse. Et le grimpeur doit aller plus vite que son adversaire en phase finale pour gagner le tour. Et celui qui a éliminé tous ses adversaires est vainqueur de l'étape. Et à ce jeu-là, hier, Johan Le Couster chez les messieurs et surtout Anouk Joubert, l'ultra favorite chez les dames, ont pris la victoire. Et ensuite, lorsqu'on combine ces trois-là, eh bien, on peut devenir, par exemple, comme toi, vice-championne du monde. C'était en 2012 à Bercy, à la maison. Et c'était un immense moment. Oui, donc le combiné, c'est le combiné de ces trois disciplines. Depuis quelques années, le combiné des trois disciplines existe et se développe de plus en plus. À Tokyo, pour les JO, le format olympique sera le format combiné des trois disciplines. Donc on multipliera les places de chaque participant dans les trois disciplines pour avoir le classement. Oh ouais. Donc elle engage bien ce mouvement. Alors, moins de perte de temps. On est encore, il lui reste encore plus de la moitié du temps, là, 3 minutes 8. Donc, bon, mais dans le timing, on est bon.
Donc là, les gros mouvements de compression, mouvement de talon, le mouvement en épaule qui va suivre. Donc les prises. Voilà, donc elle fait le mouvement suivant par rapport à Marine. Donc là, il y a une petite prise de pouce posée sur le volume, tout un passage en traversée. Donc il va falloir être précis sur le placement et déplacement de pied. Et tout à droite de votre écran, là maintenant, vous voyez cette inscription top. C'est le sommet. Donc elle, elle est bien redescendue sur les triangles de pied. Ça lui permet de bien appuyer dessus. La prise est assez large. Et là, il va falloir passer en appui sur l'autre triangle. Ah, il en manque un tout petit peu. Ça lui échappe, mais on l'applaudit bien sûr ici fortement, Nina Artaud. Elles étaient donc trois ex aequo, Hilaria, Marine et Nina, en entrant dans cette finale. Eh bien, Nina a pris l'avantage sur ses principales concurrentes et probablement également sur celles qui vont suivre, sur quelques-unes qui vont suivre. Rien n'est joué à ce stade. En tout cas, elle a pris une très bonne option, la vice-championne de France junior. Donc le passage d'engagement en début de toit qu'elle réalise parfaitement bien. Elle arrive directement sur la bonne petite prise à gauche. Le mouvement de traversée avec ce croisé en redescendant. Là, il faut... Donc on la voit chercher sans trouver la solution. Voilà, des ralentis signés Fanny Sestier sur des images de Christian Ayestein, Jean Delguidis, Jonathan Catala, Thomas Ripert, à la réalisation Simon Gerland, au son Vincent Chaveau, à la transmission Gilles Deverte et à la vision Damien Lafouette. Allez, on enchaîne avec eh bien celle qui était deuxième au général des deux dernières années sur les juniors européens. Léna Gros-Piron, 20 ans. Voilà, donc la première section avec les mains à plat sur les volumes. Elle engage la section à prise de doigts plutôt. Donc les ouvreurs sont amusés à typer les parties de voix. Oh, le croisé par en dessous. Elle a bien réussi à relancer. Elle était en bout de doigt, c'était limite, mais elle a redonné ce qu'il fallait pour aller chercher et tenir la prise. Alors typer plutôt gros volume, prise à plat en bas. Ici, plutôt tenue de prise, on voit elle retourne les doigts en tenue de prise en arqué. D'accord. Avec une thématique spécifique. Mais après, les ouvreurs s'organisent, font comme ils veulent. C'est, voilà, c'est de la créativité. Et ils ont à leur disposition les prises espace, prises d'escalade. Vous voyez le logo là au-dessus du Vieux Campeur, partenaire de cet événement. Vieux Campeur également, Béal également pour les cordes. Béal et au Vieux Campeur sont partenaires de la FFME, Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade. Donc là, après avoir rythmé son escalade, elle fait un petit temps de repos, de temporisation, où elle relâche, décontracte les épaules. Et ensuite, elle fait son rétablissement sur ce gros volume. Allez, je sais que nos spectateurs sur MB Live TV ont maintenant repéré... Comment ça s'appelle ? Un jeté ? Le jeté, oui. Le jeté. Le jeté, ouais. Mesdames et messieurs. Elles peuvent un petit peu garder les pieds, donc c'est, elles se redressent, le mouvement dynamique. Ça dépend, il y en a qui le font en quittant les deux pieds. Et ça dépend de l'envergure du grimpeur aussi. Également, faut pouvoir joindre les deux bouts. Mais en tout cas, voilà, même en jetant, il se fait très très bien. Là, on voit tout le travail d'appui de main. Donc le grimpeur ne fait pas que tirer sur des prises, s'agripper dessus, il peut pousser sur des prises.
C'est même recommandé pour... Oui, passer en appui de paume. Il y a beaucoup de passages techniques comme ça. Allez, yes. Ah, donc voilà, hein, encore on voit ce changement de rythme. Là, les mouvements en compression, physique gros muscles. La relance, pom. Voilà, ça tient. Et la salle qui pousse encore une fois. Les décompressions au niveau des épaules. Allez, toujours une sacrée ambiance, mesdames et messieurs. Donc si là, un jour vous avez l'occasion de venir voir, assister à une compétition, encourager les grimpeurs, faites-le. Vous allez voir que le spectacle vaut le déplacement. Donc sur le volume, on voit des petits traits blancs. Ce sont les ouvreurs qui ont mis des marques pour donner des indications supplémentaires aux grimpeurs en leur disant bon bah c'est par là qu'est la prise. Ah, ils ont été sympas. Ils ont été cléments parce que est-ce qu'à ce stade sa lucidité est déjà affectée là dans l'effort ou là, pas là, elle a pris une petite décharge avec les ipettes de pied. On sent que voilà, la respiration, ouais, elle tire la langue, elle force. Ouais. Ah, on voit le travail de respiration. Encore, hein. Oui. Donc là, redescendre pour aller chercher le pied en bas. Ouais, oh, ouais. Il s'arrêtait sur un. Les volumes sont bien placés, du coup, ça fait une bonne marche. Les grimpeuses doivent être contentes d'arriver dessus. Donc là, on va voir le passage que Nina n'a pas réussi à décoder. Voilà. Là, elle passe bien en appui, super. Elle est un cran plus loin, là, ça y est. Voilà. Si elle peut retourner sa main, ce sera parfait. Allez, elle est à la lutte. Allez, allez, ouais, vous posez le pied. Donc là, on voit tout son appui de pied sur le triangle. Sa jambe droite en pointe sur le triangle. Allez, là, il faut faire l'effort de... Allez, elle a le temps, mais il faut qu'elle réussisse cette manœuvre. Ah, mince. Ah, et ça aurait été... Ouais. L'épuisement, finalement, dans ce recoin-là. Qui aura eu raison d'elle. Ah, peut-être un petit peu de souplesse pour monter rapidement le pied sur la pointe. Ou je pense en retournant la main en paume, mais c'est un peu délicat puisque on est obligé de forcer pour rester plaqué à la paroi et c'est difficile de dégager un petit peu de sa main gauche pour pouvoir retourner la main. Voilà, comme d'habitude, les grimpeurs qui regardent toujours le point où ils sont tombés pour décoder même au pied de la voile. Pour imaginer y retourner, ouais. Et régler son compte à cette boîte finale. Ah, ça fait enrager, hein. Ah oui. Voilà, donc là déjà, elle... Tu me parlais qu'elle avait pris une décharge, tu disais. Donc tu penses que c'est dans ce temps-là Non, après, dans la traversée, il y a un moment où son... Je pense son pied un petit peu zippé, mais elle l'a remis assez rapidement. Là, voilà. D'accord, ok, merci la réalisation. L'équipe Festivisuelle, et là, elle a bien joué avec nous. Elle a bien joué parce que son corps a commencé à partir sur la droite et elle a été très rapide pour attraper la prise et se replaquer. C'était super. L'effort de souplesse. Ouais. Je rigole, mesdames et messieurs, je ne fais pas le quart des mouvements que cette grimpeuse est capable de faire, évidemment. Allez, eh bien, elles sont de la même année. La suivante, Bréane Robert pour la SPTT Nantes. Et si elles apparaissent dans cet ordre-là, c'est pour une bonne raison. C'est tout simplement parce qu'on est dans l'ordre inverse du classement. On va donc crescendo vers la mieux classée au terme des demi-finales. Et donc là, avec Bréane Robert, on rentre dans le top 5. Elle s'est d'ailleurs classée 5e, à savoir que les 4 devant elle sont toutes premières ex aequo. Donc Bréane qui fait en catégorie jeune des compétitions internationales en bloc et en difficulté. Et justement, dans la culture de cette génération-là, de leur dire, bon, bah, maintenant, il va falloir aussi se pencher sur la question de la vitesse, si vous voulez aller au très très haut niveau mondial et vous attaquer au sujet Jeux Olympiques. Oui, alors du coup,
pour Tokyo, pour le format olympique Tokyo 2020, le combiné, c'est le combiné des trois disciplines, donc bloc, vitesse et difficulté, la difficulté ce qu'on voit aujourd'hui. Pour l'optique JO Paris 2024, oui, la donne sera différente. Le combiné sera combiné de bloc et de difficulté uniquement. Et l'épreuve de vitesse sera une autre épreuve à part. D'accord. Donc, il y aura deux médailles ultra spécialistes. Donc, vitesse, d'un côté. Qu'est-ce que dit Anouk Jobert? Elle attendra 2024 Elle s'est prononcée déjà sur la question. Anouk Jobert se prépare pour le combiné des trois disciplines, Tokyo 2020. Ça, c'est 2020. Oui. Et c'est l'ultra favorite chez les féminines en France. 2024, c'est un horizon très très lointain. Elle a déjà parlé de ça ou pas? Non. Alors, il faudrait lui demander, oui, mais là déjà, elle va On n'a pas eu d'écho là-dessus. Non, moi, je ne suis pas au courant. Non. Mais, mais en tout cas, déjà, elle se met au travail sérieusement pour le Tokyo 2020. Donc, bien sûr. Et elle joue elle sa... verra après. Elle joue sa carte, effectivement, sur les championnats de France des autres disciplines, que ce soit bloc ou difficulté. Donc les crochets de pointe, là, voilà, double crochet de pointe sur le volume. Décontraction des épaules. Un petit sourire au passage. Oui, il y a des positions dans lesquelles on se retrouve des fois, on n'avait pas forcément imaginé. Ça fait penser à un paresseux. Et évidemment, elle est complètement dans l'effort. Donc elle va entamer le rétablissement sur ce gros volume en tirant fort sur le talon. Ah non, elle va chercher la prise de main d'abord. Hop. Et talon, pied. Voilà. Donc voilà, là, sur la plateforme, c'est plutôt confort. Alors quand vous voyez la grimpeuse s'installer sur la plateforme, vous pouvez jeter un coup d'œil au chrono et comme ça faire une petite analyse de différence de l'une à l'autre. Et regardez, elle est arrivée sur la plateforme il y a une quinzaine de secondes, 3 minutes 30. Et par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est tout à fait confortable. Allez, yes. Ouais. Donc, elle a un petit gabarit. Mais elle est très très tonique, hein. Toutes les grimpeuses de plus petit gabarit ont intérêt. Allez, yes. Allez, petit gabarit, on va faire un clin d'œil à Salomé Romain qui était en finale l'année dernière et qui est blessée cette année. Et puis la championne de France en titre, Julia Chanourdi, qui est tout simplement en Coupe du Monde à Vail dans le Colorado et qui est tenante du titre donc et qui ne remet pas son titre en jeu. Oui, elle était sur une Coupe du Monde justement pour le combiné. Oui. Et ça, c'est bien. Elle a fait une super saison de bloc. Ah. Alors. Elle est la première dans les trois dernières. Là, elle n'a pas augmenté le niveau de la précédente. Non. Allez, Brian Robert. Donc on voit les ralentis. Le premier jeté. Elle ne se sera pas départie de son sourire. Qu'est-ce qu'a manqué là? Du coup, elle n'a pas tenu. Il fallait garder longtemps en main la prise droite pour appuyer. Et sa main est partie. Comme pour Marine tout à l'heure, finalement, il y a une main qui est partie prématurément. D'accord. Mesdames et messieurs, la plus jeune de cette finale. Camille Pouget. Qui vient comme Léna Gros-Piron de Tournefeuille Altitude. Alors on parlait du cursus et du début des grimpeurs en club très très jeunes pour en arriver à ce niveau. Aujourd'hui le niveau est tel que quelqu'un qui se mettrait, par exemple là Camille a 16 ans, ce qui est très jeune, mais quelqu'un qui se mettrait à l'escalade à 16 ans aujourd'hui aurait beaucoup de mal
à rapidement accéder au niveau, au meilleur niveau national. Oui, ben, tous ces jeunes grimpeurs là, qu'on voit sur la finale senior sont des jeunes qui, tout petits, ont commencé à pratiquer les deux ou trois disciplines de l'escalade. Il y avait des compétitions Poussin-Benjamin qui étaient organisées au niveau régional et au niveau national. Et des tout petits, en fait, ils ont eu cette culture de, de l'escalade en compétition. Et ils ont développé la gestuelle de grimpeur très, très tôt. Et ce qui leur permet d'être efficace dans tout ce qui est l'adaptation dans la grimpe. La gestuelle et le mental. Je trouve qu'il y a une éthique et puis une approche mentale, une hygiène mentale même dans ce sport qui est absolument phénoménal. On a énormément de jeunes d'ailleurs qui sont étudiants par ailleurs bien sûr et qui mènent de brillantes études parce que tout simplement ils apprennent à gérer les échecs. Puisque le succès d'aller chercher le sommet de cette voie qui pour l'instant n'a pas été trouvée encore par aucune des grimpeuses, eh bien c'est une succession d'échecs. Et justement, on en parle à chaque fois que le grimpeur ou la grimpeuse arrive au sol, elle jette un coup d'œil à l'endroit où ça a posé ses soucis, au problème, et elle cherche toujours à le résoudre. Alors qu'en fait, c'est fini. Cette voie, elle ne la reverra plus jamais. Elle sera démontée après la compétition. Mais sa tête est formée, son cerveau est formé, sa mentalité est formée. À la résolution de problèmes. Et ça, c'est magnifique. Oui, c'est vrai que le grimpeur est toujours en train de chercher des solutions, la solution optimale. Et c'est un sport qui se pratique de façon individuelle, quoique on a toujours l'assureur, donc on est tenu par cette ligne de vie au minimum à deux. Mais finalement, c'est un sport collectif, puisqu'on l'a vu, elles s'échangent des conseils lors de la phase d'observation. Elles sont... copines, elles s'encouragent, elles sont heureuses. Vous allez voir qu'au moment où on connaîtra la championne de France, toutes seront heureuses pour elle. Ça va être une fête pour l'ensemble des compétitrices. Et il n'y a pas de, malheur à perdre. Tant qu'on a participé et tout donné, évidemment, c'est toujours mieux de repartir avec la médaille autour du cou. Oui, mais c'est vrai que quand il y a une bonne ambiance, c'est que les jeunes, ils ont fait des compétitions depuis tout petit, ils se connaissent depuis des années. Ils savent que dans certains domaines, il y en a un qui s'en sort mieux, dans un autre domaine, c'est un autre, et ça tourne comme ça. Et profiter des expériences, être content pour les autres, c'est aussi possible. Et non, ça n'empêche pas d'avoir envie de gagner, mais... on peut partager quand même. Ouais, et puis c'est gagner finalement, c'est être meilleur que soi-même la fois précédente. Ouais, le grimpeur se retrouve tout seul face à la voie et il doit trouver les solutions seul, mais des fois, en partageant, on devient plus fort. Allez, faut engager là. Yes. Allez, ça tient. J'espère que, chers téléspectateurs, cela vous donne envie d'aller pousser les portes des salles d'escalade autour de chez vous. Elles sont nombreuses. Et pour les connaître, c'est bien simple. Vous allez sur le site de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, ffme.fr. Et Camille Pouget, qui pour l'instant a passé Ilaria Scolaris, s'attaque à Brian Robert et Marine Girardet, c'est bon. Et là, elle est déjà en troisième position provisoire. Il lui reste quelques mètres à franchir vers la droite, mais pas des moindres. La petite redescente, le pied est bon. Ah, donc elle va... passer différemment. Elle veut passer directement de la prise du haut. Non, oui, elle va redescendre. Donc là, réorganisation. Là, on la sent un petit peu subir, être dans le rouge. Il faut qu'elle souffle un coup, là. Ah oui, parce que sur ce dièdre suivant, il n'y a vraiment aucune prise d'installer. Il va falloir C'est qu'en appui de paume. Ah ouais, alors il faut arriver doucement dessus. Il faut qu'elle déporte son corps sur la droite. Elle peut pas se jeter dessus. Elle a retourné sa main, elle va pouvoir... Elle va pouvoir pousser, voilà, c'est ça. Pousse bras gauche. C'est ça. Voilà, oh, c'est bon. Donc elle se retrouve en appui. Mais c'est pas fini. Non. Ce sera plus confort pour monter le pied, mais
Il faudrait qu'elle recule un petit peu sa main droite pour passer plus en appui. Ah, allez, cette fameuse, ce faire, mouvement de souplesse, elle passe sous la corde. Allez, et la salle. Ouais. Ici à Le Pouzin qui s'enflamme, il reste moins d'une minute maintenant, mesdames et messieurs, pour tout Camille Pouget qui est en train de prendre la tête de la compétition. Elle a doublé Léna Gros-Piron. Donc là, elle se repose. Donc toujours les repos chez le grimpeur, c'est relatif pour ceux qui ne grimpent c'est pas. Ça. Si, si, elle est confort. Voilà, ça c'est une position confortable, mesdames et messieurs. Cécile Avezou vous le confirme. Donc là, il faut ramener le pied, soit faire un entrecercle. Allez, 30 secondes. Allez, un appui, poser le pied normalement. Là. Allez, Camille. Et le Pouzin qui s'enflamme, c'est génial ici en Ardèche. La salle est en ébullition pour ce dernier mouvement. Il faut absolument qu'elle aille clipper. C'est Patouille, ça yes, tient. Super. 15 secondes pour ramener la corde. Oh là là, son bonheur. Son bonheur pour la toute jeune Camille Pouget. Ouais, 16 ans. Qui lâche complètement, regardez. Qui lâche complètement toutes ses émotions. Super. La semaine dernière, elle a été grandiose. Sur les Coupes de France, à Niort, la dernière étape de Coupe de France, elle a été en... Elle est en championnat de France, elle le sait. Elle sait que c'est énorme ce qu'elle vient de produire. Regardez la salle qui l'a poussée vers le haut. Ouais, super gestion de sa part, parce qu'on a vu qu'au passage où il fallait transférer avec l'appui de paume, elle était un petit peu dans le mal. Et elle est restée lucide, elle s'est réorganisée, elle a fait les changements de placement qu'il fallait pour se retrouver dans une position plus confortable. Et voilà, elle a trouvé tout décodé, trouvé toutes les solutions. Il y a beaucoup d'instinct, et j'imagine que quand tu revis mentalement ces moments où tu te dis « mais j'ai réussi ça, moi », en plus, je pense, typiquement les vidéos que nous sommes en train de produire restent ensuite sur la chaîne YouTube de la Fédé, donc elle pourra revoir ses gestes, et elle se dit « mais j'ai fait ça, moi ». Voilà, des fois, ils sont même pas conscients de ce qu'ils ont fait quand on leur demande, et ils savent même plus, et ça s'est fait sur le moment, et donc, des fois, ils sont persuadés d'avoir fait quelque chose, et en regardant les images, j'ai fait ça en fait. c'est magique. Ah, magnifique. Magnifique spectacle sportif. Ce n'est pas du tout terminé, loin d'être terminé. Il nous reste 3 grimpeuses et 8 grimpeurs à venir. Mesdames et messieurs, faites-le savoir autour de vous. Tout le monde sur MB Live TV pour ce championnat de France d'escalade de difficulté. Regardez la rage pour clipper la dernière dégaine. Oh là là, c'est magnifique. Ouais, super, super. Ah, elle nous a fait chavirer là. Hein, ouais. Bravo Camille. Attention, la concurrence n'a pas dit son dernier mot. Alors, il lui restait une quinzaine de secondes. Donc, ça, c'est évidemment pris en compte très précisément par le jury. Et maintenant qu'elle a atteint le sommet, si d'autres atteignent le sommet, la différence se fera au chrono. Pour les départager. Oui, parce qu'il y a des ex-échos, donc même en remontant au tour précédent, les filles sont encore ex-échos. Les 4 dernières participantes ont sorti la voie de demi-finale. Donc pour les départager, au cas où où la situation de plusieurs tops se produit, les départagera autant. Ah, moi, je vois bien plusieurs tops. Hein. Bah là, il en reste 3, mais on va voir. Hein. Là, avec Kenza Slamty, 23 ans, de Marseille, ultra affûté et ultra expérimenté des circuits nationaux et internationaux, que ce soit en bloc ou en escalade de difficulté. Et puis ensuite avec Nolwenn Arc, avec Hélène Janicot. Oh, quand même. Ah, il y a du client, non, mais c'est sûr. Il y a du client. C'est vrai que ce matin, Kenza nous a fait une grimpe très efficace. Magnifique. Très précise. Et on va voir si cette voix l'inspire également. Alors, elle est parmi les plus petits gabarits. Et justement, sur le jeté, là, son manque d'envergure pourrait... c'est juste physique, parce que de l'envergure, elle en a, évidemment. Bah, tout à l'heure, en fait, on a vu Brian, hein, qui a un petit gabarit. Et ça ne posait pas de problème, ce pas-là. Tout en dynamique. Et là, le bloc aide beaucoup, hein, l'explosivité du bloc. Exactement, ça permet de compenser. Si on n'a pas la longe, on peut avoir la détente, mais l'explosivité qui permet d'attraper rapidement les prises, même si on ne garde pas les pieds.
Allez, on profite pour remercier donc aux vieux campeurs, vous voyez là, Béal, et qui sont les partenaires de la Fédération française de la montagne et d'escalade. On remercie également le Fonds pour le développement de la vie associative, le FDVA, la région Auvergne-Rhône-Alpes, rtevents.fr, le département de l'Ardèche, Planète Rock, la communauté d'agglomération de Privas Centre Ardèche, Espace les prises d'escalade, vous envoyez le logo justement à l'écran, la ville de Lepouzin, et puis évidemment les Lézards Vagabonds, le club organisateur ici, qui mène toute cette belle organisation. Et puis on remercie bien sûr MB Live TV de retransmettre et ainsi de populariser cette magnifique discipline et ces magnifiques athlètes, à l'image de Kenza Slamty qui va produire, on ne sait pas, peut-être un jeté, peut-être pas, le geste suivant, en tout cas pour aller s'agripper dans ce plafond. Allez, la salle est avec elle. Et voilà. Ça a été dynamique. Précision redoutable. Donc là, on vient fermer avec les biceps, hein, clairement, de alors chaque côté. Alors là, après, il ouais, y a toute la section de mouvement de compression. On compresse les deux prises en opposition. Est-ce qu'il y a des séquences de musculation pure dans l'entraînement ou c'est toujours de l'escalade, on s'entraîne sur des formats, sur des prises type? Oh, Kenza. Mince. Ouais. Aïe. Ah ben j'ai, écoute, voilà, j'avais imaginé qu'elle était dans un bon jour. Elle nous a fait une super demi-finale, peut-être trop bonne demi-finale, et elle y a laissé un petit peu du jus. Non, mais là, du coup, elle a, ou ça elle lui a relancé. Pas, non, ou... mais il s'est passé un petit temps de où elle a été moins dedans et du coup, là, elle a relancé. Là, typiquement, ouais. Elle était ultra précise, puissante et sereine. Et là, elle avait la main dedans, mais ah bah ouais. Son corps ne s'est pas placé correctement. Et elle n'a pas agrippé, en fait, franchement et rapidement, la prise. Et ce sourire, on a connu ce visage plein d'émotions à Valence en 2017. Lorsqu'elle a pris le titre de championne de France, elle était toute jeune. Et elle a pris le titre de championne de France senior. Et nombreux étaient ceux qui disaient, mais c'est pas étonnant. Elle a un potentiel. Entre-temps, évidemment, elle a accepté elle-même d'être au très très haut niveau, national et international. La Choltaise, qui a brillé au championnat d'Europe junior l'année dernière, en 2018, et puis qui est tout simplement championne de France junior en titre depuis le début du mois. Oui, Nolwenn qui, d'année en année, augmente son niveau. Ça fait déjà deux saisons qu'elle va sur les Coupes du Monde seniors. Et non seulement elle va sur les Coupes du Monde, mais elle est en finale sur les Coupes du Monde. Ah ouais. Et cette année, sur ce début de saison, elle a fait tout le circuit de Coupe de France. Elle a remporté le circuit Coupe de France. Elle a remporté le championnat de France junior la semaine dernière. Et là, la voilà, on va la suivre dans son ascension sur cette finale de championnat de France senior. Alors, elle avait pris le titre il y a deux ans, puis l'année dernière, elle était la première des non qualifiées en finale. Je vous rappelle qu'elle n'avait pas plus mal vécu que ça. Elle est vraiment capable d'encaisser. Et la revoilà. Il y a une grosse différence dans la valeur d'un titre de champion de France par rapport à vainqueur de la Coupe de France ou même de remporter une manche de Coupe de France. Sur le championnat de France, c'est plus relevé, quoi. Tous les grimpeurs sont là. Sur une étape de Coupe de France, tout le monde n'est pas toujours là. Le niveau est peut-être un petit peu en dessous. Après, vainqueur de du circuit Coupe de France, c'est quelque chose, c'est intéressant, c'est la régularité. Mais remporter un titre, c'est évidemment, c'est ça a plus de panache. Oui.
Et elle connaît cela, Nolwenn. Scholtes, mais licenciée au club Blockout Centre-Essonne. Donc elle fait toujours des mouvements très doux, contrôlés, doux. C'est la ballerine verticale. Là, elle se déplace tranquillement pour se mettre. Regarde alors, la salle. Pour la dégaine, je fais comment? Ne te déconcentre pas. Elle ne met pas la dégaine tout de suite. C'est marrant, elle est moins sereine que les autres. C'est visuel, oui. Hein, j'en sais rien, hein, c'est l'effet que ça me fait. Mais c'est évidemment, vrai qu'elle elle n'aime vraiment pas les mouvements. Et oui, puisqu'elle elle aime bien passer en douceur et tout ce qui est mais elle va y aller tranquillement, ultra dynamique. Voilà. Et elle va faire jouer va justement son envergure. Voilà, ça c'est du Nolwenn Arc dans le texte. Exact, voilà. Regardez. En contrôle. Et du coup, elle va mettre la dégaine après. Mais ça va. Voilà. Et voilà. Donc c'était... complexe de mettre cette dégaine après, mais elle s'en est sortie. Énorme capacité donc d'analyse, on l'a vu, rouler des yeux presque, dire bon, qu'est-ce que je fais là? Et ben voilà le résultat. Ça consomme un tout petit peu de temps. On n'oublie pas que Camille Pouget est arrivée en 5 minutes 45, on va dire, au sommet. Mais c'est une fausse douceur. Évidemment, il y a énormément de puissance. Hein, et puis, quand elle met du rythme, ça avance très, très oui, fort plus également. Ça va, plus elle arrive à accélérer sur certaines sections. Là, regardez. Allez. Hop là. Oh là 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 là. Alors là, mesdames et messieurs, si Nolwenn Arc décroche là, ça sent très, 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 très bon pour Camille Pouget, qui pourrait d'ailleurs, puisqu'il reste Hélène Janicot, nous faire ce que Nolwenn Arc a fait il y a 2 ans en arrière. Et on attend de voir la suite, mais c'est vrai que Camille nous a montré plusieurs signes de très très bonne forme en regardez, ce moment. Regardez, ouais. Ah ben bah, là, c'est au minimum une médaille d'argent, elle le sait. Elle est au minimum vice-championne de France, Camille. Et il reste Hélène Janicot que l'on va voir arriver. Ah, c'est pas rien ce qu'elle fait là. Hein. Je ne sais même pas si elle en prend réellement conscience. Bon, alors je peux déjà le dire. Je peux dire un truc. Ah ben, on ne demande que ça. Par rapport aux critères, le meilleur du championnat de France. Critère de sélection de l'équipe de France. Ouais. Pour les Coupes du Monde. Ah oui. Qui est évidemment le Graal pour tous les... Alors, il y a des grimpeurs qui viennent sur cette compétition avec l'idée de jouer ça. Il y en a qui se concentrent que sur le championnat de France et d'accord. Les titres. Il y en a qui viennent uniquement pour l'expérience. Bon, bref, le meilleur de cette compétition pourra participer à des étapes de Coupe du Monde. Sachant que Hélène Janicot est ouvreur internationale, elle ne peut pas participer aux donc, étapes de Coupe du Monde. Donc la porte est ouverte pour Camille. Camille Pouget oh, pourra, c'est énorme. Si elle le souhaite, oh, c'est et énorme. Je crois qu'elle le souhaite, oh, bah oui. Participer oh, c'est à des beau. Étapes. Ouais, c'est beau. Allez, et ben voilà, donc... Hélène Janicot qui a fait figure de leader de l'équipe féminine française il y a encore 2-3 ans en arrière, qui était vraiment la numéro 1 française qui brillait, qui est du coup passée du côté encadrement et ouverture, c'est-à-dire qu'elle est en mesure de mettre au point des voies en compétition. Elle a le diplôme officiel international, non? Elle est ouvreuse internationale. Elle est ouvreuse internationale, oui, c'est ça. Et donc, elle vient faire ce championnat de France, elle, entre guillemets, pour s'amuser. Et on l'a trouvée très forte tout à l'heure. Elle me dit, et donc, on a discuté. Elle me dit, écoute, je comprends pas. Il y a des endroits où je me disais, il faut que j'accélère. Et nous, on l'a trouvée tellement à l'aise. Ouais, ouais. Donc, probablement qu'il lui en reste sous le pied. On n'est évidemment pas à l'abri d'une erreur. On n'est pas à l'abri de, eh ben de qu'elle en ait donné plus qu'elle ne pensait ce matin en demi-finale et qu'il ne lui reste pas
Ce qu'il faut, mais elle est quand même sacrément solide. Oui, elle est solide. Elle a toutes ces années de compétition où elle a excellé. Elle était au très, très haut niveau pendant de nombreuses années. Toute son expérience de compétitrice. Et maintenant, tout ce qu'elle fait en travail d'ouverture, ça lui montre de l'escalade sous un autre angle, d'autres perspectives. Et du coup, ça enrichit encore tout ce qu'elle sait bien faire. Donc, même si elle s'entraîne moins, elle est encore très, très performante. Et quand on est ouvreur, il faut rester quand même dans le coup et s'entraîner pour pouvoir proposer des passages intéressants aux grimpeurs et rester au plus près du niveau d'exigence très, très élevé qu'est le niveau de Coupe du Monde. Allez, Lenja Njaniko, regarde, on est encore au-delà des 4 minutes restantes et elle est déjà sur la plateforme ou quasi. Donc voilà, quand, elle était rapide, oui. Quand on parlait de sa solidité. Mesdames et messieurs, sur MB Live TV et sur le streaming, j'espère que vous vous régalez. Nous sommes avec les dames sur cette finale de championnat de France de difficulté senior 2019, ici à Le Pouzin en Ardèche. Et ensuite, nous vivrons la finale masculine. Il reste encore un beau grand chapitre à écrire. Là, pour l'instant, ce n'est pas terminé. Mais en tout cas, Camille Pouget, 16 ans, vient de faire l'exploit. Quoi qu'il arrive, vient de réaliser l'exploit de cette édition. Quoi qu'il arrive, quoi que fasse Hélène Janico, Camille Pouget a marqué de son empreinte ce championnat de France. Qu'elle prenne le titre ou qu'elle soit deuxième. Avec beaucoup d'émotion, évidemment. Allez. Elle y va tranquillement. Voilà. En conduit, puis après le ballon de corps. Allez. La relance, c'est bien. Le mouvement d'épaule. Et elle remet du rythme. Oui. Voilà, l'autre petit mouvement dynamique où il faut accompagner le plus longtemps possible avec la main en dessous. Super, elle l'a pas fait en dynamique. Allez, voilà. Allez, la salle qui s'enflamme littéralement. Donc elle a accéléré un petit peu le rythme. Là, la redescente. Super. Il reste 2 minutes. Allez. Elle est. Ah voilà. Alors, donc là, comme Camille, elle est. On la sent un peu tremblotante, mais. Il faut qu'elle aille mettre la main gauche en appui, donc elle. La main droite en appui sur le triangle là-bas. Sur le dièdre ici. Et elle peut retourner, si elle peut retourner la main. Voilà, comme elle vient de faire. C'est okay. Mieux comme ça. Et là, elle va être voilà. En pression main gauche. Super. Allez. Et la montée de pied sans problème. Allez, il y a un titre de championne de France. Là, je pense que si elle sort. Si elle sort. Mesdames et messieurs, le titre se joue maintenant. Camille Pouget ou Hélène Janico. Ce sera Hélène Janico. Hélène Bergerac. C'est magnifique. Et une superbe Camille Pouget qu'il faut aussi féliciter. La patronne. Super, hein. Ouais, la patronne. Là. Ouais, Hélène qui est passée à l'entraînement, à l'ouverture, mais encore bien là en termes de niveau. Et regardez. Nalouane qui va la féliciter. Elle s'entend bien. C'est génial. Beaucoup d'émotions. J'espère que vous avez ressenti ça chez vous également. Vous restez avec nous. Christopher Hardy, que vous entendez ici, va interviewer tout simplement les bol podium. La troisième, la deuxième, la première. Donc on va avoir leurs sentiments. Et puis, belle image là que ces grimpeuses. Ça a été une très, très belle ouverture. Super, tout voilà. Était parfait. Depuis le début des qualifs, là, on s'est régalé. C'était vraiment très exigeant et magnifique. Donc, bravo aux ouvreurs, bravo aux grimpeurs. Voilà, la combinaison parfaite. Et puis, on retrouve Christopher d'ici quelques instants avec Léna Gros-Piron. Alors, Léna qui a fait une super compétition aussi. Hein. Chez Tournefeuille. Chapeau, ouais. Je pense qu'au club. Waouh. Au tag. Super, là. Bravo au travail du tag. C'est vrai qu'il se démultiplie et c'est magnifique. Écoute, Christo, je pense que tu t'es régalé. Vraiment
extraordinaire. Et puis voilà, on voit ces jeunes là qui arrivent. J'ai des questions. On va accueillir Léna Gros-Piron qui va nous rejoindre. Léna, voilà, on va regarder bien en face, mais quel bonheur. Surtout qu'on sait que, comme je le dis souvent, les dernières années n'ont pas été forcément faciles. Là, tu arrives en senior et on a l'impression que tu te libères. Oui, je trouve ça. Enfin, vraiment, je me serais pas attendue à ça. Et je trouve ça juste génial de faire un podium pour ma première année en senior. Et ouais, c'est génial. J'y aurais pas cru. Parce que finalement, dans vos têtes, à vous, la jeunesse, cette transition junior-senior, c'est toujours angoissant. Il n'y a pas beaucoup de place en équipe de France. Vous vous dites, oh, j'ai peut-être pas le niveau. Et là, bim. Oui, c'est ça, c'est pas facile. Mais au final, j'ai vraiment essayé de m'amuser sur cette compétition et j'avais pas spécialement d'attente ou quoi. Et ça a super bien marché. J'étais bien dans les voies et je me suis vraiment amusée. Or, le gros avantage avec toi et Camille, c'est l'entraîneur. Hein, l'entraîneur Rémi, je crois qu'il s'entraîne, qu'il vous entraîne beaucoup. Un petit mot pour Rémi quand même. Oui, c'est Rémi Dubose et Antoine Gaston aussi, avec le pôle Esport Occitanie, du coup, qui s'occupe de nous. Et ouais, merci beaucoup. Bravo à Léna Gros-Piron, merci Léna. En troisième des championnats de France, et la crevette, bah, je peux le dire, enfin je la rappelle comme ça. J'ai cru qu'elle allait être championne de France, elle sort la voie, tu as été mais incroyable. Championne de France cadette la semaine dernière, et là bim, est-ce que tu t'attendais à arriver aussi haut ce week-end? Non, complètement pas, je m'y attendais pas du tout. Et là, bah, dans la voie, j'ai mis un gros combat. Et à la fin, c'était que avec le mental qui me disait « Allez, tu peux le faire !» Et j'avais plus rien dans les bras. Et oui, c'est une vraie surprise pour moi d'arriver aussi haut dans la voie. Tu t'es massacré, tu t'es sorti les épaules, tu t'es retourné dans tous les sens, contorsionné. C'est marrant que finalement, bon, t'es encore jeune, donc on dit que t'as le temps de progresser, mais qu'on a l'impression qu'on croit plus en toi que toi. C'est peut-être vrai d'un côté. Après, là, j'étais vraiment très motivée pour cette finale, je m'étais bien préparée. Et le style de voix me convenait un petit peu aussi à la fin, dans se contorsionner comme un ver de terre. Ça. Fier de sortir la voix hein, quand même. Hein. Ah, mais c'était une émotion incroyable, j'y croyais même plus, je galérais trop sur mes volumes, je savais plus quoi faire. Alors de sortir, c'était un bonheur incroyable. Bon, on va la remercier. Merci à Camille Pouget. Félicitations. Deuxième, on les retrouve pour la cérémonie des fleurs tout ensemble. Bravo. Et mesdames et messieurs, la doyenne, l'expérience, le talent. J'ai envie de dire, elle pose les valises, elle se relâche, elle est zen et elle rafle le titre de championne de France. Est-ce que tu l'avais déjà eu ? J'avais déjà eu une fois, juste une fois. C'était quand ? C'était, je sais plus, il y a un moment. Juste une fois sur tous tes podiums en Coupe du Monde et sur tes victoires. Et là, qu'est-ce qui fait que... Est-ce que déjà tu t'es entraîné vraiment comme les autres là-dessus ou est-ce que c'est tes acquis ? Non, je me suis... L'année dernière, j'ai beaucoup grimpé. Cette année, j'ai très peu grimpé. J'ai pas trop le temps avec mon nouveau travail. Je pense que... Alors, d'être zen, pas trop. Je suis pas partie très zen dans la voie parce que au France de bloc, j'avais rien à perdre. C'est vrai que la diff... C'est mon truc, du coup ça me tenait à cœur de faire quelque chose. Je pense que c'est des voies à gestion, des voies pas extrêmes, mais où il fallait bien gérer son escalade. Et je pense que là, l'expérience, ça me sert beaucoup. Et puis je pense que tout repart de l'année dernière. L'année dernière, tu fais ouvreuse à Cham. Comme il dit Nico, tu ouvres, donc tu grimpes beaucoup, tu t'entraînes, tu as un volume, et d'un seul coup, tu te dis, allez, j'y retourne, et là, bim. Ouais, bah j'ouvre... En compète, après sur le pôle j'ouvre, mais pas tant que ça, mais ça me permet de garder un état de forme correct. Et puis mine de rien, je me suis entraînée des années, du coup je grimpe pas beaucoup, mais ce que je grimpe, ça me permet de garder un niveau de base qui me permet de m'exprimer en compète. Surtout quand j'étais très forte, je pense qu'à la fin j'étais trop stressée, j'étais hyper forte, mais j'utilisais 50% de ce que je pouvais faire. Là, j'étais pas stressée, mais j'étais moins stressée et du coup j'utilise mon potentiel à son max quoi. C'est le secret, pas stressé, peu stressé, moins stressé. L'entraîneur de l'équipe de France, elle écoute bien. Mesdames et messieurs, le podium des France. Donc Léna Gros-Piron 3, Camille Pouget 2 et Hélène Janico 1er. Régalez-vous les hommes dans un instant. Philippe et Cécile, je vous laisse le micro. Merci Christopher, effectivement. Applaudissements pour ce podium féminin. On se retrouve d'ici quelques minutes pour la finale masculine. Merci à toutes. À tout de suite.
when I say this. Been on my mind for ages. Couldn't think of a better time. And tonight avec Au Vieux Campeur. Le championnat de France d'escalade de difficulté vous a été présenté par Climb Up. Bonjour Pierre You. Nous sommes dans une année pré-olympique cette année. L'escalade fera son entrée aux Jeux Olympiques l'année prochaine en août à Tokyo. Qu'est-ce que ça change pour la FFME ? Ça change énormément de choses. La première des choses, c'est l'audience, c'est l'image que l'on donne d'entre nous. La fédération a passé un cran en faisant ça. Donc là, on le voit dans les médias, on va passer en direct sur l'équipe, c'est assez énorme. Mais ça sert aussi à autre chose, puisqu'on voit bien que pour les sites naturels, on a quelques soucis de responsabilité, on est en train d'essayer de faire changer la loi. Et ça, ça nous permet d'avoir une présence et d'avoir des élus qui nous regardent d'un autre œil. Donc moi j'avais dit que l'olympisme devait servir à tous et c'est ce qui est en train de se produire. On a juste les Jeux aujourd'hui, on ne les a pas encore vécus. Quand on aura passé 2020, ça passera encore un autre cap. Alors justement, en parlant de territoire, là vous revenez justement de l'île de la Réunion. Que fait la fédération concrètement sur le terrain pour accompagner le développement de l'escalade ? Oui, alors à La Réunion, ça a permis... On avait un problème, en fait, technique dans un gymnase qui était déjà construit, fait pour l'escalade avec un mur des structures nationales. Or, il y avait des problèmes techniques qui empêchaient de le faire. Là, on a vu le maire et on a réglé tous ces problèmes-là. On a maintenant un agenda, c'est-à-dire qu'en mars 2020, le club de Saint-André, qui a déjà une petite structure, aura cette structure-là à sa disposition à gérer. Ça sera formidable. D'un autre côté, on a le pôle espoir qui a que des petits murs aujourd'hui et qui cette fois va pouvoir avoir, avec l'appui de la région, avoir les structures de vitesse et de bloc qui vont lui permettre d'avoir un équipement international de niveau intéressant, même si ça ne suffira pas. Mais il y a un tel engouement à l'île de la Réunion que ça, c'est formidable. Alors, sur le territoire français, le changement, on le voit parce que les SAE, il y en a partout. Il y en a partout et ça a grimpé aussi de niveau. C'est-à-dire que là où on faisait des départementales régionales, on nous demande international maintenant. Donc c'est quand même des choses qui évoluent beaucoup.
Et en plus, dans au niveau des sites naturels, on en a parlé dans l'île de la Réunion, bien évidemment, parce que c'est une des mecs du canyon. Là, on continue au niveau national. Et là, on est en train de vouloir changer les responsabilités au niveau législatif. Mais d'un autre côté aussi, on a mis en place une fondation Rock Climber. Et on continue à travailler là-dessus. Et on fait en sorte que nos comités et nos ligues puissent travailler sereinement sur ces sujets. Alors là, nous sommes sur le championnat de France de difficulté. Aujourd'hui, que fait la fédération pour continuer à développer le circuit national ? Alors bien sûr, le circuit national, il gonfle de plus en plus, il y a de plus en plus de compétitions. Nous sommes en train de mettre, avec l'appui des comités et des ligues, surtout des circuits régionaux, qui vont permettre d'avoir des compétitions plus régulièrement pour le niveau de chacun. Parce que quand on reste au niveau national, c'est quand même très élevé pour beaucoup, parce qu'on est très proche du niveau international et ça fait beaucoup de différence. Donc il faut arriver à ce que les jeunes et les un peu moins jeunes aient des compétitions quasiment tous les week-ends, comme ça se fait dans beaucoup de sports. Mais ça veut dire que c'est difficile. Donc là, moi, je veux remercier quand même nos organisateurs, parce que c'est pas facile d'organiser une compétition d'escalade. Hein. C'est pas un stade où il y a un 100 mètres à faire ou juste le 400 mètres autour de la piste. Là, il y a quand même des ouvreurs, il faut ouvrir, il faut prendre du temps. Ça prend du temps à faire une compétition. Donc je remercie vraiment nos organisateurs autour de tout ça. Et puis pour les compétiteurs, je vais leur rappeler que c'est d'abord le plaisir avant tout, donc c'est le jeu avant l'enjeu. Merci Pierre, et en route pour la finale homme. Non mais c'est incroyable. Partager une aventure alpine d'envergure. Il suffit d'y croire et repousser la limite de ses rêves. Et aller chercher de l'énergie, des forces insoupçonnées au fond de nous-mêmes. Chaque semaine, nous allons parler développement durable et développement économique. À la découverte du monde et des montagnes et des endroits sauvages du globe. À 3842 mètres d'altitude. On éprouve le besoin de faire partager cela. Au cœur de l'action, suivez l'escalade avec Au Vieux Campeur. Le championnat de France d'escalade de difficulté vous est présenté par Climb Up. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Vous êtes sur MB Live TV, vous êtes sur le streaming de lifefme.fr. Nous sommes avec Cécile Avezou. Coucou Cécile. Coucou. Et nous sommes en direct de Lopouzin en Ardèche, où nous vivons les championnats de France de difficulté senior 2019, ici avec l'entrée en lice du local. Il est tout simplement la révélation de ces championnats. Il est à la maison et je pense que les Lézards Vagabonds Club organisateurs sont heureux de pouvoir féliciter celui qui monte. Hein. Il était déjà quatrième sur les Coupes d'Europe en junior au Portugal là, dans ce début d'année 2019. 18 ans, Emilien Casado. Et ben voilà, il fait partie des 8 finalistes. Rejoint par Damien Bocquet, le Parisien licencié au Vertige Montfermeil, 21 ans, avec 2 titres de champion de France du combiné à son actif. Pour Damien, lui, vous le connaissez bien sûr, son visage, il est quasiment un des porte-drapeaux de l'escalade en France. 25 ans, le club Blockout Centre-Essonne est évidemment fier de lui. Manu Cornu, 3e au championnat du monde à Bercy en 2016, 2e au combiné de ces mêmes championnats du monde. Il est absolument imbattable en bloc. C'est une machine, 25 ans. Il a notamment une coupe du monde à son actif en Chine en début d'année. Et puis alors lui, que doit-on dire de lui ? Le phénomène Ali, le Savoyard, 17 ans. Il a un titre de champion de France junior dans la poche depuis quelques jours. Alistair Duval, mesdames et messieurs,
sur qui nous allons compter. Pierre Yu à l'image, président de la Fédération française d'escalade, de la Fédération française de la montagne d'escalade, qui l'applaudit. Évidemment, et puis le suivant de Levallois Perret, le 8 assure, il était troisième en diff en 2017 et deuxième en bloc sur les mondiaux juniors, 21 ans. Hugo Parmentier va venir chatouiller les copains de cette compétition, on va pouvoir compter sur lui. Hugo qui, aux côtés de du meneur de cette équipe de France, était également victorieux à Niort l'année dernière. Ici, à l'image du club Blockout Centre-Essonne également, 20 ans tout jeune, Adrien Lemaire qui vient chercher une troisième place en ces demi-finales de championnat de France. Et c'est tout simplement un exploit en soi. 20 ans également pour et celui qui s'est placé deuxième. On entend son nom retentir depuis de nombreuses années dans les compétitions. Aujourd'hui, définitivement senior, le Besancenais Nao Monchois. Et puis, le huitième homme de cette finale, le doyen, le capitaine, celui qui emmène les Français, qui les inspire. Le Chamoniard au titre, tout simplement vainqueur de la Coupe du Monde en 2017, 5 fois champion de France. Il est en équipe de France depuis 2010. Monsieur Romain Desgranges. Voilà, ils étaient 93 hommes inscrits, 26 qualifiés pour les demi-finales, dont 4 ayant réalisé 100% des voix proposées. Et le temps qu'il retourne à l'isolement, alors on parlera de ce que c'est que l'isolement pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, ils vont tout simplement disparaître de l'écran et nous allons avoir quelques images de la phase d'observation. Cécile, c'est donc une phase où justement on vient leur dire « Allez, venez, vous avez 6 minutes ». Oui, pendant ces 6 minutes, donc les grimpeurs sortent de l'isolement. Ils ont 6 minutes au pied de la voie pour tirer le plus d'informations visuelles possibles. Ils ont également le droit de toucher les premières prises, ce qu'ils peuvent toucher sans décoller les pieds. Et sinon, c'est tout à l'œil. Donc, à partir de ces informations, les grimpeurs se projettent. Ils font des scénarios, soit tout seuls, soit ils échangent entre eux pour essayer de trouver les solutions aux problèmes que les ouvreurs leur ont proposés. Alors l'année dernière, on avait un championnat de France avec un Belge inscrit et il se trouve que ce Belge a gagné. Il ne pouvait donc pas être champion de France. Ils étaient quasi ex aequo avec Romain Desgranges. Romain Desgranges est donc champion de France en titre. Et donc il remet son titre en jeu, évidemment. Et on avait déjà Nao Monchois dans cette finale. Donc deux finalistes de l'année dernière, Nao Monchois et Romain Desgranges. Et puis sinon, pour certains, c'est une première. On va vivre ça avec eux. En tout cas, Emilien Casado, le local de l'étape, qui fait un magnifique parcours. Il est le seul représentant de son club organisateur, hein, les Lézards Vagabonds, ici. À la maison. La présidence de Claire Evrard et... on remercie également les salariés du comité départemental dont elle est également présidente, Damien Leturdu et Jessica Faure, pour cette organisation ici sous l'égide de la Fédération française montagne escalade, comité départemental Ardèche. Donc là on voit l'itinéraire, la voie proposée pour les garçons, c'est la voie de gauche avec toutes ces prises orange et les volumes gris. Donc le grimpeur, le but du jeu, c'est d'aller tout en haut, d'aller mettre la dernière dégaine, là où il y a écrit « top ». Donc là, décodage de la voie avec les différentes sections. On voit des grosses prises orange, des prises anguleuses grises des volumes et des sangles et des mousquetons pour accrocher la corde. Uniquement ouais. La corde, on n'a pas le droit de s'y suspendre. Ouais, on passe uniquement la corde pour assurer sa sécurité. Donc là, on voit dérouler la voie jusqu'en haut. Donc Emilien qui a son bandeau depuis le début de la compétition et a priori c'est un bandeau Superman, non tient, oh, je sais pas, mais depuis le début de la compétition ça lui porte bonheur, donc il l'a gardé. Et bien pourvu que ça continue à lui porter bonheur.
Et vous l'entendez, l'ambiance dans cette salle, le chauffeur de salle, Christopher Hardy avec Nico Januel, qui encourage la foule à se manifester. Foule qui est présente. Merci à l'ensemble du public qui se déplace. Merci à vous également qui nous suivez sur MB Live TV et puis sur le streaming de la Fédération Française de la Montagne et d'Escalade, dont les partenaires ici, par exemple, Ovio Campeur et Béal, qui soutiennent depuis toujours, et puis le Fonds pour le développement de la vie associative, également FDVA, que l'on remercie. Allez, Emilien, c'est parti. Donc là, on voit les gros plans sur les prises de main, où on voit le grimpeur parfois poser que les doigts sur la prise, parfois toute la main, parfois faire des oppositions doigts-pouces, pour faire, ça s'appelle les pinces. Alors le dièdre espace là, il est bien granuleux alors que la prise orange, elle est toute lisse, hein, j'ai l'impression. Oui, donc les fournisseurs de prise jouent sur les textures, les adhérences. Des fois il y a des grains et ça tient un petit peu mieux en termes de préhension, et des fois c'est tout lisse, voire glissant. Et là pour le coup c'est piégeux car ça peut glisser très très facilement. Alors c'est génial, à chaque move, les locaux s'enflamment littéralement. Donc, et ils vont l'accompagner le plus haut possible. Hein. Il est à la maison et puis toute la famille est très investie dans le club. Le papa, la maman, sœur, voilà, tout le monde est à fond pour l'escalade et pour Emilien, bien sûr. Donc là, ça va pousser. Donc une traversée sur les grosses prises orange, mouvement de décompression, décontraction des épaules. Donc là, une montée de pied très très haut d'Emilien pour se hisser et coincer sa main entre les deux volumes. Ça fait comme une petite fissure. Un peu comme voilà. En falaise, c'est la prise. Alors, ce volcano-là, ce volcan à l'envers. Oh jeté. Là là. Donc là, il a engagé très rapidement le mouvement. Il savait, oh, sur un bras. Wow. Il savait que l'appréhension suivante était bonne. Donc, il n'a pas hésité avant d'envoyer. Rétablissement en triceps sur le bras gauche pour aller chercher la petite prise loin. Voilà, toujours un mouvement de souplesse pour continuer à monter le pied. Voilà, une fois qu'il aura calé le pied, il pourra pousser libérer sur la jambe, ça ira mieux. Gauche. Voilà, il rentre bien son genou, il passe directement sur un pied pour aller chercher en douceur. Le bassin collé à la paroi pour passer embarqué. Ah, c'est beau. Il a retourné la main pour main droite pour tenir la prise. Et il est en train d'enflammer la salle ici. Donc là, on voit tout le travail de position de main pour pouvoir se hisser plus haut et aller chercher la prise encore plus haute. Regarderez le chronomètre qui tourne dans le coin haut droit de l'écran. Oh, Emilien Casado qui en termine là. Ouais. Sous les vivas de la foule, il est heureux en tout cas de son parcours. Il a fait une magnifique phase finale de championnat de France. Donc les qualifications hier, les demi-finales ce matin, les finales cet après-midi. Il est à la maison et il a tout donné. Non, ce n'est pas un bandeau Superman. En tout cas, un bandeau qui lui aura porté chance et qui lui aura apporté du bonheur. Avec sa coupe de cheveux, il me fait penser à Manu Cornu à l'époque où il se teignait les cheveux. Et en tout cas, il sort avec le sourire. On le voit d'ici et se ralentit. Voilà, Emilien Casado. Et que Christopher fait monter sur la table pour le faire acclamer pendant que nous assistons donc au ralenti signé Festivisuel, Fanny Sestier en l'occurrence. Allez, ben voilà, il arrive au pas de course. On enchaîne directement Damien Bocquet, 21 ans. Donc le grimpeur a 40 secondes avant de commencer son ascension. Pendant ces 40 secondes, ils sont nombreux à faire une petite récitation des différents mouvements. Ils en profitent pour prendre les dernières informations. Des fois, pendant l'isolement, ils se sont posés des questions. Ils ont un doute sur l'emplacement des prises. Ils ont un petit peu oublié. Là, ça permet de remettre tout en place. Voilà. Donc là, ils s'imprègnent bien de la voix. Ouais. Alors nous qui grimpons en dilettante, alors pas toi, hein, toi t'es... tu as été au meilleur niveau mondial et tu entraînes aujourd'hui les équipes de France. Mais pour les gens comme moi, cette capacité à regarder un ensemble de prises de volume et de se dire c'est tel geste que je dois faire et de le mimer littéralement au sol, c'est stratosphérique comme capacité d'analyse.
C'est l'habitude, à force d'avoir décodé les prises au pied de la voix, d'avoir fait la gestuelle et de regarder comment ça se passe, on arrive à se projeter et à s'imaginer faire les mouvements avant de les avoir faits. C'est un petit peu comme les skieurs de géants qu'on voit souvent se concentrer et répéter les portes, l'enchaînement des portes. Allez Damien, alors quand ils sont à l'isolement, la plupart du temps, il y a deux informations qui peuvent leur arriver. D'une part, il y a la cadence à laquelle on les appelle, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a 6 minutes de grimpe plus les 40 secondes dont tu parlais. Donc au maximum, le copain qui est parti devant, ils ont 7 minutes avant que ça soit leur tour, on va dire, avec les temps de latence. Si on vient les chercher au bout de 3 minutes, ils savent que le copain est tombé très vite. Oui. Et s'ils entendent la foule crier et la salle littéralement s'enflammer, ils savent qu'au contraire, le copain a été très haut. C'est le peu d'informations qu'ils ont sur le reste de la compétition. Ça aussi, mentalement, il faut pouvoir le gérer. Mais sinon, ils n'ont aucune information sur ce qui les attend. Ils ont juste l'observation. Et ensuite, il faut mettre les mains dedans, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils ne voient pas les concurrents précédents. Et les seules informations, c'est celles qu'ils ont eues pendant la période d'observation, plus les bruits dont tu parlais tout à l'heure, qui donnent les bruits, et puis la cadence, qui donne des informations supplémentaires. Ah. Mais des fois, ça peut être trompeur. Eh oui. Eh oui, on peut avoir un grimpeur qui effectue un superbe enchaînement, mais qui tombe juste après. Donc qui le fait rapidement et voilà, il n'y a pas plus de bruit que ça. Voilà. Et contrairement, il peut y avoir un grimpeur qui avance pas beaucoup, mais qui galère et qui se donne tellement et que le public peut l'encourager. Ouais, après, il touche au cœur. Il y a évidemment énormément d'émotions. Pour ceux qui étaient avec nous il y a quelques minutes en arrière, nous avons donc vécu la finale féminine. C'était un immense moment. Vraiment un très, très grand spectacle. Oui, magnifique, avec Hélène Janicot qui a arrêté sa carrière internationale et le podium complété avec des toutes jeunes, une cadette et une première année senior. Donc voilà. C'était magnifique. Camille Pouget qui signe l'exploit de ces championnats de France, 16 ans, et qui vient prendre le titre de vice-championne de France et qui du coup s'ouvre les portes de l'équipe de France et va partir à l'international. Allez, on reste concentré sur Damien. Donc là, c'était un petit mouvement un peu engagé. On a vu tout à l'heure, Emilien l'a fait très facilement. Il a très rapidement pris la décision d'envoyer sur le cratère. Et là, Damien, lui, il est resté un peu longtemps. Il s'est un peu cramé en restant longtemps sur la même prise. Les muscles finissent par se tétaniser. Et il applaudit. Je pense qu'il applaudit autant le public que les ouvreurs qui lui ont fait plaisir. Puisque ça reste du jeu, hein. Ça reste évidemment une passion pour ces grimpeurs d'être exposés à ces problèmes. Alors, vous voyez Emilien Casado assis à l'arrière-plan. Damien va aller le rejoindre et va prendre le siège grisé alors qu'Emilien est assis dans le siège jaune. Or, et cela correspond tout simplement aux couleurs des médailles, or, argent et bronze. Et attention, mesdames et messieurs, Manu Cornu, spécialiste du bloc, émet un des grands, grands espoirs pour le format olympique dont on peut parler. Exactement, donc Manu est engagé dans la préparation et la sélection olympique avec le format combiné des trois disciplines. Oui, nous a fait frayeur. Oui, à nous aussi. Donc, les trois disciplines sont la difficulté. C'est l'épreuve que nous voyons aujourd'hui. Le grimpeur a baudrier, corde, et c'est un mur d'à peu près 15 mètres à gravir. Le bloc, c'est un mur de 4,50 mètres. Plusieurs passages sont proposés au grimpeur et sa sécurité est assurée par des matelas. Il tombe au sol. Et l'escalade de vitesse, c'est un mur de 15 mètres. Une voie officielle, tout le temps le même parcours avec un record mondial. À moins de 6 secondes. Ouais, moins de 6 secondes pour les hommes. Complètement un sprint vertical. Hein. Exactement. Mmh. Oui, 15 mètres de hauteur et le record est à 5,42 pour les hommes. Donc c'est très très impressionnant à voir. Ah. Voilà, donc le format olympique, c'est ça, les trois disciplines. Donc Manu Cornu fait les compétitions internationales dans les trois disciplines. Voilà, et
Il représente une de nos bonnes cartes, au même titre que Anouk Joubert, qui elle aussi, alors elle, lui, il est spécialiste du bloc, elle est spécialiste de la vitesse, et elle se met aux autres disciplines également, et elle est venue remporter la Coupe de France de vitesse, la manche de Coupe de France de vitesse, qui se jouait ici même à L'Opouzin hier. Et elle, elle ne remporte pas que les Coupes de France de vitesse. Oui, pardon. C'est vrai que là, la saison de Coupe du Monde de vitesse a commencé depuis quelques mois et Anouk en a déjà remporté. Et en ce qui concerne la Coupe du Monde de bloc, ça s'est fini là ce week-end, mais il y a eu beaucoup d'épreuves et Manu en a remporté une. Exact. Donc là, on voit Manu dans cette fissure faire des verrous de main. Donc là, il faut il va directement chercher le cratère. Donc c'est un trou, hein. Chaque petite prise. Et il engage le jeté sans problème. Allez, on garde un œil sur le chrono. Et puisqu'on parle de ce fameux combiné, il est déjà vice-champion du monde du combiné en 2016 à Paris-Bercy, où il prenait également la troisième place sur l'épreuve de bloc. Là. Donc là, il a bien géré. Soit il fallait monter le pied en souplesse, et dans le doute, il a posé le genou. Il a fait la montée de pied en deux temps. Ça, c'est du Manu Cornu. Donc là, il est bien placé. Va-t-il lâcher les deux mains? Non, bon. Il la garde. Il peut mettre la tête et lâcher les deux mains, mais. Mais il reste. Alors, il y a une histoire autour de Manu Cornu qui fait le show. Ouais. C'est qu'il a fait acclamer le public avant d'avoir mis les deux mains sur le bac final et ça lui a coûté le podium. Et je ne me rappelle juste plus de quelle compétition il s'agit. Je pense que c'était American, mais c'est passé, on n'en parle plus. Exactement, il a beaucoup appris. Il reste un showman, mais par contre, il fait attention de bien mener sa compétition à terme. Donc là, prise de pince, il a sauté, il fallait pincer, donc il faut être très précis dans l'appréhension. Le croisé par en dessous. Il fait parler toute son explosivité. Et après toute une section de prise plate, ça va être très très physique. Allez Manu. Allez. Allez mesdames et messieurs, si vous êtes derrière votre écran, derrière, devant MB Live TV. Allez. Alors vous pouvez tomber amoureux de cette discipline, quelle escalade, et nous sommes en train de vivre un grand moment, il me semble. Allez, là, faut continuer. Manu Cornu. Ouais. Et on va pouvoir expliquer le système de notation, puisqu'il tenait fermement une prise. Ça sera la prise, avec le numéro de prise qui marquera sa note, c'est 38. Et un petit plus derrière, puisqu'il a lancé le mouvement sur la prise suivante, sur la 39, mais qu'il ne l'a pas validé. Oui, les juges ont le topo de la voix et chaque prise est numérotée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et jusqu'à 40, 50. Et en l'occurrence, Manu a tenu la prise 38. Et ils sont là, les juges, on les remercie. En l'occurrence, le chef, le président du jury, c'est Sébastien Jourdan, Marc Espinoza, Philippe Réa, Bénédicte Casado, Dominique Grazuel, Sophie Jourdan et Christine Slamty, juges officiels de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, font partie de cette équipe de jury. Et en l'occurrence, il a tenu la prise 39. Il a pris la prise 39 et ensuite il a relancé. Ah d'ailleurs, Et le plus, ça veut dire qu'il a tenu cette prise-là et en plus, il a engagé le mouvement suivant. Voilà, donc la correction est apportée. Ce n'était pas 38, c'est 39. Ça peut faire une différence. Et attention, le tout nouveau champion de France junior. Et je l'appelle le phénomène Ali. Il est effectivement l'étoile montante de la grimpe française. Et il faut le surveiller. Ou du moins se faire plaisir à le regarder grimper. C'est beau. Et c'est parti. Alistair Duval, 17 ans. Ouais, Ali a monté de niveau. Déjà l'année dernière, il avait bien progressé. Et là, il est encore monté d'un cran.
Donc il a... Et il est constant aussi, c'est-à-dire que on peut avoir des jeunes qui explosent et puis ensuite qu'on voit plus. Lui, ça fait un moment qu'il gagne en solidité et il se maintient devant quoi. Son niveau en fait monte constamment. Donc il reste dans la course et accède au final du championnat de France senior. Bah, l'image d'une Nolwenn Arc qui était cadette et qui a pris le titre de championne de France 2017 en senior et qui là était encore en finale, on l'a vu il y a quelques minutes. Donc, ce sont des jeunes qui ont un énorme potentiel, de grandes capacités. Et puis ça ne l'intimide pas du tout de passer entre Manu Cornu, Romain Desgranges, quoi que ce soit. Je pense bien au contraire, ça le motive. Ça le booste. Voilà, cette prise en coincement, fissure. On voit qu'à l'intérieur, il y a une petite prise. Il y a un petit problème de chausson, le scratch qui se défait. Uh-huh. Il a attendu d'être dans une position un peu plus confortable pour le remettre. Voilà le travail des ouvreurs, donc les savants, les magiciens du mur, donc cette voie que les athlètes ont découvert et qui a été complètement pensée pour l'occasion, comme c'est le cas à chaque compétition. Le travail d'ouvreur assuré par leur chef Julien Gras avec William Chiras, Julien Sage et Corentin Le Goff. Et qui, on l'a vu avec Manu Cornu qui pour l'instant s'est hissé le plus haut. Donc le jeté. Le public s'enflamme sur ce genre de mouvement, j'imagine que vous également. Donc après le jeté, la section plus inclinée, c'est la partie la plus déversante du mur. Allez, Alistair Duval qui va aller chercher la position qu'occupait Emilien Casado autour de la prise 30. Donc les autres avaient chanté, ils étaient passés par un autre itinéraire. Ouais. Alistair a fait toute la boucle et se retrouve bien placé. Ouais. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, que Cécile, que vous entendez, est entraîneur des équipes de France senior. Et qu'elle a elle-même... Précision. Pris un titre de vice-championne du monde de combiné. Sa parole a donc valeur d'expertise. Allez, il valide. Il passe devant Emilien Casado. Il faut aller chercher Manu Cornu. Qui était donc à 3. Ah ouais. Oh, et ben Alistair Duval en restera là, mais il ne démérite absolument pas. Et ça vous donne d'ailleurs une indication de la difficulté de la voie parce que je m'attendais à le voir aller très très haut, ce qu'il a fait d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait les autres sont passés complètement sur la gauche. Ils ont chanté toute la boucle dans la partie très déversante. Et Alistair, lui, a bien pris toutes les prises. J'imagine que c'était l'itinéraire prévu par les ouvreurs ou peut-être que les ouvreurs avaient prévu ces deux possibilités-là. Mais en tout cas, Alistair nous a montré un passage différent. Alors, à ce stade, nous avons donc 4 grimpeurs passés. Il en reste donc 4. Parmi eux, le suivant, Hugo Parmentier, qui va se présenter d'ici quelques secondes. Manu Cornu et Alistair qui se saluent, qui échangent à propos de la voix. Allez, Hugo. Donc Hugo, un grimpeur polyvalent aussi. Il a fait de nombreuses compétitions en jeunes, compétitions internationales en bloc et en difficulté. Oui, plus des podiums. Voilà, il signe des podiums. Troisième place en difficulté et deuxième place en bloc aux Mondiaux Juniors 2017. Donc pour vous dire, depuis évidemment en plus Edlo qui a
coulé sous les ponts, il n'en est pas resté là. Mais il n'y a aucune surprise à le retrouver comme ça dans les 4 meilleurs du championnat de France au terme des demi-finales. Une voix telle que celle-ci, elle présente, c'est ce que tu expliquais un petit peu plus tôt, des sections différentes avec des styles différents. Et cette mixité de styles permet aussi à chaque style de grimpeur de s'exprimer. Et finalement, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la capacité à être à l'aise partout, j'imagine. Oui, oui, il vaut mieux être à l'aise dans tous les domaines, avec toutes les préhensions de prise, tous les styles de mouvement, et être prêt à se réorganiser, s'adapter à ce qu'on trouve réellement. Donc entre ce que les grimpeurs ont imaginé au pied de la voie et ce qu'ils font, il y a des fois des petites différences, juste des petits ajustements et parfois des grands bouleversements. Finalement, les grimpeurs ont prévu des scénarios et ils font des choses complètement différentes puisqu'ils se rendent compte sur le moment qu'il y avait des passages plus adaptés que d'autres. Et ça peut ou bien complètement les déstabiliser d'avoir à se réorganiser, ou bien au contraire, ouais, ils sont... Donc il faut des qualités techniques au niveau du physique, et ben être fort dans les segments supérieurs, dans les jambes, dans les doigts, les gros muscles, et ensuite cette capacité de réorganisation sur le moment. Du mental, donc, dont Hugo Parmentier ne manque pas. Ouais, après, l'expérience permet de trouver les solutions plus rapidement. Donc, Hugo optimise cette fissure pour trouver un petit peu de décontraction. Voilà, le jeté. Allez, sans problème. Pour ce mouvement très impressionnant, qui enflamme le public. Donc on va voir si Hugo a pris le parti de faire la boucle sur la droite ou de faire un tout droit en épaule. Mais je pense que pour les plus petits gabarits, il vaut mieux faire la boucle. C'est à l'instinct. Hein, il est capable, dans la lecture, de savoir ce qu'il lui faut. Donc du coup, là, sur les grosses prises orange, on voit qu'il y a des prises brillantes et des prises mat. Le brillant veut dire que la prise est glissante. Le mat, il y a un petit peu de grain et l'adhérence est meilleure. Et puis ces petits volcans, là, ces cratères qui sont parfois... qui proposent du grain à l'intérieur. Donc il faut mettre la main pour certains. Comme ici, sur le volume qu'il a passé il y a quelques... seconde maintenant, en bas à gauche de votre écran. Allez Hugo. Allez. Voilà. Allez, la pince directe. Le croisé par en dessous. Allez. Ça, c'est vraiment impressionnant, ce mouvement qui doit être dynamique au départ et pourtant tout en finesse, ouais, à l'arrivée. Il faut être précis. Oh là là. Donc là, arrivé sur le plat, premier gros plat. Ouais. On le voyait commencer à exploser. Absolument. Il décroche juste avant la prise maximum prise par Alistair Duval. Alors ça va être ouais, il me semble qu'il y a une prise d'écart entre les deux en faveur d'Alistair Duval. Bon, eh bien, le scénario se resserre. Adrien Lemaire. Adrien Lemaire qui a été très, très fort, hein, depuis le début de la compétition. Il a sorti toutes ses voies et avec une facilité impressionnante. Avec beaucoup d'aisance. Non, il n'a pas sorti, mais il était bien. Oui, non, et puis il signe le troisième
la troisième place des demi-finales. Il est du même club, Blockout Centre-Essonne, que Manu Cornu. Éventuellement, ça donne un petit peu de motivation supplémentaire. Et il va tâcher d'aller chercher son co-sociétaire. Regardez cette bonne humeur là. Les copains qui en ont terminé savent que le match est fait et maintenant ils profitent. Adrien qui prend le temps de bien nettoyer, se mettre dans la voie. Et ben c'est un temps que nous allons aussi mettre à profit pour remercier les partenaires et puis MB Live TV qui couvre donc cet événement. On remercie donc Béal et Ovieux Campeurs qui sont les partenaires équipementiers de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade, représentés ici par son comité Ardèche. Et puis également le Fonds pour le développement de la vie associative, FDVA. On remercie la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département Ardèche, et puis la communauté d'agglomération Privas Centre. On remercie également rtevents.fr, Planète Rock, Espace, les prises d'escalade que vous avez ici à l'écran. On remercie également la ville de Le Pouzin. Et puis bien sûr, tout ça ne pourrait se faire sans l'organisation des Lézards Vagabonds, le club de Le Pouzin ici, qui nous accueille sous l'égide de sa présidente Claire Œuvrard. Allez, ça pousse ici dans la salle. On est dans les dernières encablures, que ce soit pour l'ensemble de la compétition, mais également pour la finale homme, avec Adrien Lemaire, Nao Monchois, puis Romain Desgranges. Nous allons vivre donc le dénouement du côté des messieurs. Donc tous ces volumes gris là présentent du grain. Donc le grimpeur a juste à poser son pied sur la partie plane du volume et il écrase bien son pied pour avoir de l'adhérence. Donc le grain permet ça. Sur d'autres grains, sur les prises orange, on voit que certaines parties sont brillantes et le grimpeur qui pose son pied dessus et pousse peut risquer de glisser. Hein. Mais sur les volumes gris, ça adhère partout. Pour peu qu'on place bien son pied, évidemment. Donc là, il s'est un petit peu coincé les doigts dans le montage de prise. Il faut retourner sa main gauche pour pouvoir engager le mouvement et aller chercher le trou dans le cratère à droite. Retourner de main, exactement. Chercher le trou et engager le jeté. Donc Adrien a engagé le jeté du bas. Les plus petits gabarits avaient monté le pied dans la fissure pour pouvoir pousser. Il gagne du temps, mais il risque un peu plus. Là, il est dans la maîtrise, hein, bien sûr. Donc la double crochet de pointe. Et il lâche les bas. Ils assurent le show, les joueurs, garçons. C'est bien. J'avoue, personnellement, j'adorais pouvoir lâcher les deux mains dans les voies. Ah, c'est bon. C'était mon jeu. Super. Et alors, vraiment, les athlètes qui donnent cette dimension spectaculaire, qui amène le sport à la dimension de spectacle. Voilà, c'est parfait. Merci à vous, les athlètes. Et merci à vous, cher public, de les suivre nombreux, de les encourager. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur les réseaux sociaux, leur faire un signe, partager eh bien, tout ce qu'ils vont eux-mêmes mettre en ligne à propos de ces championnats de France. Les images que vous retrouvez sur MB Live TV et également sur la chaîne de la Fédération Française de la Montagne et d'Escalade. Tout ça est en ligne. Allez, il va faire le direct, il ne va pas faire la boucle. Il va aller chercher la prise en épaule là-haut, main droite. Voilà, il faut appuyer très fort. Ah, on pousse pas en épaule. Les autres, voilà, c'est mieux épaule et repasser en pouce après. C'est plus confort, faut être souple pour monter le pied ou le genou comme Manu Cornu. Le pied, ça passe. Ok. Oh. Voilà, il va se placer, il va retourner la main droite, j'imagine, pour
faire une prise en pouce et aller plus loin pour aller chercher la prise avec sa main gauche. Non, il reste en épaule. Il a placé la dégaine d'abord. Donc il est obligatoire de passer la corde dans toutes les dégaines, dans tous les mousquetons et dans l'ordre. Il ne peut pas placer une dégaine plus haute et après replacer celle du bas, sinon les juges l'arrêtent. Donc là, petit moment de décontraction. Pourtant, la prise qui la main gauche n'est pas, ne prête pas au repos. Et le chronomètre tourne. 6 minutes au départ. Il en reste une 30 bientôt. Ah, c'est superbe. Ouais. Allez, Adrien Lemaire qui va tâcher d'aller chercher le copain Manu Cornu. Allez, il faut se plaquer. Ouais. Ouais. Oh, et ben, il tombe au même endroit que Hugo Parmentier. Une prise après. Il a tenu. Il a tenu. Enfin, alors, on va voir ce que disent les juges. Mais, Non, c'est ça. C'est ça. Donc il est passé deuxième. Il est même passé devant Alistair Duval. Effectivement. Prise 35 pour Hugo Parmentier, 36 plus pour Alistair Duval, c'est-à-dire qu'il tenait la prise 36 et qu'il a lancé le mouvement suivant. Adrien Lemaire 37, Manu Cornu 39 plus même, ayant lancé également un mouvement. Voilà, le ralenti signé par l'équipe de réalisation Festivisuel, emmenée par Simon Gerland. Et voilà, magnifique image. Double crochet de pointe en suspension. Signé des cadreurs Christian Esten, Jean Delguilis, Jonathan Catala et Thomas Ripper. Et pour la vision, c'est Damien Lafouenne qui s'en occupe. Le son, Vincent Chavot. La transmission, Gilles De Vert. Et les ralentis, que voici Fanny Sestier. Le tout sur MB Live TV. Elle a retour à la case départ. On va après une très très belle... Très très belle course d'Adrien Lemaire. Bon les amis, il reste deux protagonistes. Et bien cela veut dire que Manu Cornu est sur le podium, encore une fois. Et là, Manu Cornu, ouais, alors il est très très impressionnant. Quoi qu'il arrive, ouais. Il est sur le podium. Allez, 20 ans de Bézac Besançon. Club entre-temps, Nao Monchois. La dernière partie de voie est physiquement très très complexe. Les préhensions sont très plates en fait et fuyantes. On a vu Manu bien réussir à placer son pouce pour pouvoir tenir les prises. Mais sur les prises précédentes, il y a toujours un endroit où le grimpeur peut crocheter les doigts dessus et bien se tenir. Et là, c'est plus possible. Un autre type de préhension. Ouais. Allez, bon, on va voir comment Nao résout ce problème. Nao qui était quatrième l'année dernière au championnat de France. Au pied du podium donc, il va évidemment tâcher de faire mieux. Je vous ai dit qu'ils étaient deux finalistes de l'année dernière, se retrouvaient également en finale cette année. Eh bien ce sont tout simplement les deux mieux placés, Nao Monchois ici et Romain Desgranges. Ouais, Nao qui d'année en année élève son niveau, il est jeune senior. L'année dernière, ça fait déjà 2 ans qu'il participe aux Coupes du Monde. C'est vrai que chez les gars, encore plus que chez les femmes, les premières années seniors sont compliquées. Mais Nao était bien présent. On le voit faire un petit moment de décontraction, il relâche les épaules. Alors j'imagine que les grimpeurs, vous avez un peu une horloge dans la tête lorsque vous êtes dans la voie, non, vous sentez le temps qui passe. Il y a des grimpeurs qui ont l'habitude de grimper
assez lentement. Donc ces grimpeurs-là prennent un timer sur eux pour être sûr de ne pas se faire piéger, même si ça leur arrive de se faire piéger quand même. Et après, il y a des grimpeurs qui grimpent naturellement, rapidement et qui ne sont jamais arrêtés au temps. Jamais inquiétés. Et le timer, en l'occurrence, c'est quoi? C'est un système de vibreur ou où, ben, où il le regarde? Oui, il le regarde. Ah oui, ouais. On a la possibilité. Il accroche à leur baudrier. Ouais, hein. D'accord. Ou sinon, il demande le temps. Oh. Donc là, ce passage de jeté. Ah oui, on peut demander le temps au jury. Au jury, ouais. Le jury ne donne pas le temps, sauf si à la demande du grimpeur. D'accord. Donc là, gestion de la corde. Là, il a vu que la corde pouvait le gêner. Il l'a poussé un petit peu. Là, il est encore sur sa jambe. Mais il estime que ça ne le dérangera pas. Donc là, Nao a pris l'option boucle. Boucle sur la droite, ça rajoute des mouvements, mais Nao est un gros spécialiste de diff. Il s'entraîne prioritairement pour cette discipline, la difficulté. Et du coup, physiquement, il est en capacité d'encaisser un grand nombre de mouvements. Il a un bon foncier, mais justement, tu parlais de la section haute que pour l'instant, personne n'a franchi. Est-ce qu'elle n'est pas favorable, justement, à des grimpeurs qui à la fois ont un bon foncier mais sont capables de gérer des mauvaises préhensions, des enchaînements, plus de type bloc justement? Ouais, il faut être capable de tenir ces enchaînements type et bloc très intenses avec les gros muscles en fin de voie. Ça veut dire que quand le grimpeur est déjà un petit peu émoussé de l'effort précédent. Bien Oxy. Oh là, allez. Donc là, il faut que le gainage transféré sur la jambe. Vous voyez le retour à cette position. Poussé sur la jambe, donc ça va. On voit bien la différence, hein, avec le passage précédent d'Adrien Lemaire. Il temporise un petit coup avant d'envoyer, parce que c'est vrai que l'appréhension d'après, on l'a vu que c'était en pince. Il faut bien viser et attraper vite. Allez, c'est bon. Le griffé de pied un petit peu excentré sur la droite, il faut redescendre. Quelle puissance! Allez. Ce geste m'impressionne toujours parce qu'il part très dynamique. Allez, et allez, finit faut bien tout plaquer, en précision et en douceur. Allez, Nao Monchois qui est littéralement porté par la faut salle redescendre. Ici, par le cousin. Et là, il se retrouve dans la section qui peut le mener vers le podium. Allez, Nao! Allez, Nao, allez, solide! Allez, ça sera compliqué! Et Manu Cornu qui emmène avec lui Adrien Lemaire et qui monte tous les deux d'un cran. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, le podium se dessine. Regardez, Manu Cornu qui se lève, qui commence à se dire que les choses deviennent tangibles. À Lister Duval, qui... finira au pire quatrième au pied du podium du haut de ses 17 ans. Incroyable en championnat de France face à des Manu Cornu et des Romain Desgranges. Romain qu'on va avoir. Et puis là, voilà, sur ces mouvements, Nao Monchois qui bute. Il en reste un qui peut potentiellement aller au sommet et qui est également un grand monsieur du combiné. Alors, il est principalement un grimpeur de diff, mais il n'a jamais dit son dernier mot en bloc, Romain Desgranges. Alistair Duval, troisième provisoirement, derrière Adrien Lemaire. Manu Cornu, le club Blockout Centre-Essonne, qui doit être à la fête, puisque, quoi qu'il arrive, ces deux garçons-là sont sur le podium. Maintenant, reste à savoir où Romain Desgranges va placer le curseur. Ah bah, et Romain, il y va pour mettre va la pour dernière dégaine. Hein. Ouais. Alistair Duval, 17 ans. Romain Desgranges, 36 ans. Ouais. C'est beau. Ah, c'est magnifique. Cinquième au championnat du monde à Paris en 2016. Immense championnat du monde que nous avons vécu ensemble, Cécile. Vainqueur de la Coupe du Monde en 2017. Troisième de la Coupe du Monde en 2018. Vainqueur d'étapes, différentes étapes. Et puis deux fois champion d'Europe. Six fois champion de France.
Enfin bref, Romain Desgranges quoi. Gros palmarès, oui. Et toujours une détermination énorme. Donc c'est la deuxième compétition de difficulté de l'année pour Romain. Il a juste participé à une Coupe de France il y a quelques semaines qu'il a gagné. Et là, le championnat de France, dernière compétition, quoi, petit réglage pour la première étape de Coupe du Monde qui aura lieu début juillet. Début juillet, première étape, et après, deux autres étapes vont suivre en France. Donc, 5-6 juillet, étape de Coupe du Monde à Villars, et ensuite on enchaîne. En Suisse, hein. Oui, en Suisse, pardon. Et après, à Chamonix, du 11 au 13 juillet. Étape de Coupe du Monde de difficulté. À la maison chez lui, c'est toujours une très très grosse ambiance. Ouais, très gros club organisateur de Coupe du Monde. Et ensuite Briançon, 19 et 20 juillet. Donc Briançon. Ce sont les deux classiques, Chamonix et Briançon. Et à chaque fois, des très très grands moments. On vous y invite vraiment. Si vous découvrez l'escalade, de toute façon, bah, c'est simple, hein, vous restez abonné à MB Live TV sur vos différents canaux et puis via les réseaux sociaux également à la page Facebook d'MB Live TV et de la FFME, Fédération Française de la Montagne et d'Escalade. Et puis c'est simple, vous allez tomber amoureux, il n'y a pas le choix. Regardez, c'est le rêve de, c'est, quelque part c'est comme voler pour un humain, c'est un rêve de voler, mais grimper comme ça, on en rêve également de regarder un mur de 15 mètres et de se dire allez, je suis capable d'aller là-haut à la force de mes doigts, de mes bras, de mes membres et au mental. Évidemment que cela nous habite, ils sont juste en train de transformer ce rêve en réalité, ces immenses athlètes. Et lui avec son non, Manu Cornu, champion de France, Romain Desgranges qui décroche, Adrien Lemaire deuxième, Alistair Duval troisième. Mais non, Manu Cornu, champion de France, Romain Desgranges, alors que nous discutions tranquillement en pensant qu'il allait doubler au moins la hauteur de ce qu'il venait de faire. Regardez, on est dépité pour lui, le capitaine. Oh là 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 là, quel scénario, Cécile. Ouais, ouais, scénario. C'est ça l'escalade. Hein. C'est ça, ouais. Après, ben voilà, c'est dernière étape avant les Coupes du Monde. Ça permet de retravailler. On veut pas qu'il. Là, il tire la grimace, on veut pas qu'il parte avec cette grimace dans la tête. Cette frustration dans la Coupe du Monde. Non, Romain, t'es immense. Oh là là, on discutait, on se disait non mais on va pas. Ouais. On était presque pas concentrés sur ce qu'il faisait, c'est Romain Desgranges. Et là, il le sait, c'est une erreur, c'est pas son niveau. Qu'est-ce qui se passe? Merci le ralenti, regardez. Ah ouais, mais c'est, ça se joue à rien. Le pied en bas. Il a relâché un petit peu la pression pour mettre sa spatule. Et du coup l'autre pied est tombé avant. Oh, c'est fou et c'est fou. Alors Christopher qui est avec Alistair Duval et on va voir tout de suite les interviews des trois premiers. Non mais alors moi je comprends plus rien à ce sport, c'est magnifique, comme quoi on n'est jamais à l'abri de surprises. Alors déjà Alistair, t'as été violent, champion de France cadet, champion de France junior, tu nous as fait rêver, t'es junior 1, ton frère s'en va, petite contre-performance, tu représentes la famille, première finale et le podium. Tes émotions, parce que tu dois être complètement bouleversé, je pense. Bah c'est vraiment un truc fou, en fait, je m'y attendais vraiment pas. Et pour moi, je faisais du coup quatrième, parce que Romain, il est quand même vraiment au-dessus. Et c'était vraiment génial aussi, et la voix, et j'ai aussi remis un beau combat, et c'était vraiment trop bien, quoi. Alors, oui, et puis alors, ce qui est sûr, c'est que je dis que tu as pris en maturité. J'ai l'impression que tu as pris en maturité, tu étais un peu foufou les autres années, et cette année, j'ai l'impression qu'on a un nouveau Alistair, coupe de cheveux, allégé, et bien dans la compète. Et bah, en fait, c'est surtout avec le pôle, je pense. Les deux années que j'ai passées au pôle, ça m'a vraiment fait grandir dans la tête. Et aussi, ça m'a. Je reste toujours un peu le même à côté, mais dès que je touche la prise, là, par contre, je me mets à fond dedans et je lâche plus. Fini les trucs où on parle avec le grimpeur d'à côté. Ah, ça peut toujours être drôle. Ça peut toujours être drôle. Un petit message pour ton frère avant de finir. Et bah, c'est qu'il sera encore plus fort l'année prochaine et j'ai vraiment confiance en lui. Voilà, Alistair Duval, mesdames et messieurs. Ce que je disais, junior 1, c'est quoi 17, 10...
Bah du coup c'est ouais c'est 17-18 ans, c'est ça dépend de quand on est né dans l'année quoi. 17-18 ans, troisième au championnat de France senior, bien joué mon copain. T'as été bon, bravo pour Alistair Duval, troisième, on le retrouve après, je vais faire venir. On a eu des surprises mais c'est pas croyable, enfin c'est croyable parce qu'ils ont du talent. Adrien Lemaire, non mais allô quoi, j'annonçais bloc, div, vitesse, polyvalent, bloc out centre Essonne et pim le podium des France. Alors que c'est ta première finale en France senior, non? Première finale France senior, ouais. En diff déjà. En, diff, ouais. En bloc, jamais fait de demi en plus. En vitesse, j'ai déjà fait phase finale, mais jamais de finale quoi. Alors vous, on a vu par rapport aux autres, vous avez tracé droit. Hein. Vous n'avez pas joué la descente là, et ça a peut-être un avantage aussi. Bah, surtout pour Man et moi, on est plus bloqueurs. Et quand on enlève 10 moves dans la voie, c'était sûr qu'on allait le tenter. Tu vois. Et voilà, ça nous a souri et tant mieux. Je suis ravi de voir vos yeux qui brillent. Je pense à Manu, je pense à Arnaud, je pense à Evry, à Sergi, à toutes ces salles BO. Ils sont derrière la télé, c'est sûr, tu as un petit mot pour eux? Bah merci à les gars, hein, c'est carrément ouais c'est dément. Je m'y attendais pas du tout. Vraiment là c'est faire une finale, j'avais envie de le faire tu vois. Et juste bien grimper en finale comme j'ai fait et après résultat c'était en bonus tu vois. Mais là ouais c'est quand ça se passe comme ça c'est juste oufissime. Bah mon gars t'as été solide. Voilà Adrien Lemaire, vice-champion de France. Je vais le laisser partir, il va revenir rapidement. Ouais juste après pour comme la cérémonie des fleurs. Je vais essayer de ne pas avoir les larmes aux yeux parce que ça me touche tellement. Mesdames et messieurs, un grand malade, un grand débile, le champion de France de DIF. Alors là, mais qui est meilleur? Je dirais, on est surpris, tu as fait la victoire en Coupe du Monde, on sait que tu en as dans les tripes et tout. En DIF, ce n'est pas forcément le truc le plus facile. Est-ce que toi, tu savais que tu pouvais le faire? Non, il faut remettre les choses dans le contexte. J'aurais jamais le culot de dire que je peux battre Momo. Demain, on fait 1000 fois la finale, on a 1000 voix différentes, il va gagner 999 fois. Là, j'ai le bon coup d'œil de voir que ça peut passer par tout droit. J'ose le faire aussi, voilà, ça fait ça. Là-haut, je fais ma voix. Momo, il fait une erreur, et ben voilà. Mais par contre, oser dire que je venais pour gagner, c'est pas vrai dans le fond. Et puis voilà, cette année j'ai pas gagné les France de bloc et j'ai gagné en Coupe du Monde et bah ce sera pareil pour Romain et voilà. Ouais, mais ce qui est beau en plus dans cette histoire, c'est que en pensant qu'en tant que bloqueur tu chintes cette gouttière, t'emmènes avec toi dans l'aventure Adrien parce que finalement tu observes avec lui. On en a parlé un peu ensemble, mais on était plusieurs, même tous on a un peu parlé. Puis moi j'en ai beaucoup parlé là-bas pour voir un peu juger les autres, est-ce qu'il y en a qui allaient tenter ou pas. Bon, en tous, ils étaient plutôt réticents à cette idée, donc je me suis surtout dit, moi, je viens pas pour jouer le titre, donc j'en ai rien à foutre. Si je tombe là, je mets dans l'impasse, je fais 8e, et bah tant pis, j'aurais fait 8e, et puis ça aurait surpris personne parce que c'est moi. Et puis voilà, c'est tout, c'était comme ça, mais du coup, je me suis dit, allez, vas-y. Et après, ouais, est-ce que Adri entend derrière que moi, je suis passé comme ça, je sais pas. Mais c'est le jeu, et puis qu'est-ce que je te dise. Ce que je retiens, c'est que c'est un bon signe dans la préparation de la qualif au jeu, parce que c'est l'objectif. Ce n'était pas de gagner, c'était de voir un peu aussi où on en était. Ça ne montre pas non plus une vraie Coupe du Monde, mais entre les années d'avant où je pouvais faire 60 en Coupe du Monde à Cham, et là, comme je suis plus prêt aujourd'hui, je pense que la préparation est bonne, ce n'est pas terminé, et puis les Coupes du Monde arrivent. Je veux juste, j'ai dit avec Adrien, j'ai une pensée pour Manu, pour Arnaud, il regarde, c'est sûr. Je voudrais peut-être faire aussi, parce que t'es surprenant, un petit bisou à maman. Ouais, bah, je pense qu'elle regarde aussi. Elle a regardé la compète hier avec mon grand-père. Donc, c'est mes premiers supporters et je suis content. Je suis content qu'ils soient avec moi. Hier, j'étais un peu saoulé avec la vitesse. Elle m'a envoyé un petit message mignon. Enfin bref, voilà, ça se passe plutôt bien et c'est cool. Je vais pouvoir leur ramener un nouveau bouquet de fleurs. Enfin, peut-être je lui donnerai pas elle, mais on verra. Ouais, j'imagine. Mesdames et messieurs, Manu Cornu, champion de France, on va faire venir les trois. Philippe, Cécile, je pense que vous avez pris autant de plaisir que ah, moi. Oui. Que ouais, nous, top. Avec Nicolas Januel, je vous laisse avec les athlètes. Merci Christopher, bravo à tous les trois. Et Cécile, c'est sur ces superbes images. Regarde ces sourires. C'est super, ouais. Qu'on se quitte et qu'on se dit à la toute prochaine pour l'escalade sur MBLive TV. À très bientôt. Ouais, ciao. Say this, been on my mind.
cœur de l'action, suivez l'escalade avec Au Vieux Campeur. Le championnat de France d'escalade de difficulté vous a été présenté par Climb Up.